Bonjour à tous, bienvenue au deuxième sommet francophone de la migraine. Merci d'être aussi nombreux à nous regarder en direct des quatre coins du monde. Je suis ravi de vous retrouver pour la deuxième année consécutive aux côtés de Sabine de Brémaker, la présidente de la Voix des migraineux. Bonjour Sabine. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Quelle est la première chose que vous avez envie de dire à ceux qui nous regardent et nous écoutent ? Alors, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette seconde édition du Sommet francophone de la migraine. Tous les retours que nous obtenons sur les réseaux et les questions qu'on a des journalistes et tout montrent qu'il y a encore un gros travail de sensibilisation pour améliorer le parcours de soins et la reconnaissance de la migraine. C'est tout l'enjeu de ce second sommet. Et le premier sommet a été un succès. Hein. Vous avez été plus de 6000 à nous regarder en direct ou en replay, sans compter les milliers de vues des différentes vidéos. Cet événement a été un accélérateur à plus d'un titre dans la reconnaissance de la maladie tout d'abord. En effet, nous avons obtenu des centaines de retombées dans la presse écrite, radio et télé. Cela a permis aussi aux patients d'en apprendre plus sur leur pathologie, de se sentir reconnus comme malades, de connaître la réalité médicale de la maladie. Cela a aussi permis aux soignants de compléter leurs informations sur la migraine et de partager leurs expériences. Et on le rappelle, hein, selon l'Organisation mondiale de la santé, eh bien, la migraine est la deuxième maladie la plus invalidante au monde. Hein. Oui, la deuxième maladie la plus invalidante au monde, mais aussi la première pour les femmes. Le problème, c'est qu'elle est toujours minimisée, minorée, et nous avons encore un gros travail à faire pour la reconnaissance de la migraine. Alors, ce sommet a aussi été un accélérateur pour la reconnaissance de l'association. Où en est aujourd'hui la Voix des migraineux ? Alors, nous avons constaté une augmentation notable du nombre de nos adhérents, du nombre de nos followers sur les réseaux sociaux. Nous recevons régulièrement des messages de gratitude. Cela a renforcé notre légitimité pour agir auprès des pouvoirs publics, des personnels médicaux. Nous sommes de plus en plus souvent invités à des congrès ou à des groupes de travail. Vous nous rappelez à qui s'adresse cette association ? Cette association s'adresse aux 45 millions de migraineux francophones, dont 10 millions de migraineux français. Quels sont les objectifs de cette association ? D'abord, je voudrais dire que la gratuité est une des valeurs essentielles de l'association. Nous ne voulons laisser personne sur le bord du chemin. Parmi les objectifs, on retrouve l'ambition de soutenir les malades, de les informer, de sensibiliser le grand public et les autorités. Nous voulons aussi agir. Et sur ce dernier point, vous en êtes où alors ? Nous voulons agir pour la reconnaissance de la maladie, la reconnaissance du handicap que représente la maladie, pour obtenir de nouveaux traitements. Malheureusement, pour l'instant, les nouveaux traitements spécifiques de la migraine sont remboursés dans 24 pays d'Europe. Au bout de 3 ans, nous n'avons toujours pas obtenu le remboursement en France, en dépit de toutes les démarches que nous entreprenons. Alors justement, parlons de ces démarches et de ces actions que vous avez menées dernièrement pour faire connaître la migraine et puis aussi à améliorer sa prise en charge. Alors nous avons mené plusieurs campagnes de presse. Nous avons répondu aux nombreuses questions des journalistes qui, pour la plupart, découvraient la gravité de la pathologie. Ils ont montré beaucoup d'empathie, mais il faut continuer. Les articles contribuent énormément à la sensibilisation sur la pathologie. Vous avez aussi mené des grandes enquêtes dans le but de recueillir aussi des données statistiques et objectives. On va en parler de ces enquêtes parce qu'elles sont vraiment importante et édifiante. La première enquête d'abord sur l'impact de la migraine sur l'emploi qui montre le handicap invisible qu'elle représente dans le monde de l'entreprise. S'il fallait retenir quelques chiffres, Sabine, sur cette enquête. Alors les conditions de travail sont inadaptées à ce handicap invisible. Une personne sur 10 n'a pas accès
n'a pas la possibilité de se reposer sur son lieu de travail le temps que le traitement de crise lui permette de reprendre ses activités. Seulement 8% des employeurs acceptent des aménagements au travail. Il y a d'autres chiffres importants. Travailler a aussi un impact sur la vie privée pour les migraineux. Une personne sur cinq migraineuses subit une perte de revenus. Une personne sur trois prend des risques en conduisant pour aller au travail. Jusqu'à perdre son emploi, à force de crise, de maladie, certains perdent leurs emplois. Et une personne sur trois sans emploi n'a aucun revenu et dépend de ses proches. Ouais, des chiffres vraiment édifiants qui montrent la nécessité d'agir, et vous pourrez retrouver d'ailleurs les résultats complets de cette étude sur le site La Voix des migraineux. Autre enquête, cette fois-ci sur le parcours de soins du patient migraineux. Que vous disent les personnes interrogées? Alors, en premier, le premier mot qui leur vient, c'est « parcours du combattant ». La seconde expression, c'est « complexe ». Tortueux, tellement c'est compliqué d'être pris en charge correctement. Et la troisième expression, c'est le sentiment d'abandon et de solitude tout au long de ce parcours. Ouais, les mots sont forts, et cette errance diagnostique, elle commence à l'adolescence, parfois même avant, et elle peut durer très 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 longtemps. En effet, en moyenne, les répondants ont eu leur première crise, les premiers symptômes vers 16 ans, parfois bien avant. Par contre, le diagnostic a été posé 7 ans et demi après, voire 15. Ils ont eu leur premier traitement de crise vers 23 ans, c'est-à-dire 7 ans après. Ils sont restés donc 7 ans sans connaître leur diagnostic et sans avoir de traitement adapté. Ouais, trouver le bon traitement, c'est une longue quête. Hein. Alors, en vie entière, en moyenne, les répondants ont testé 5 traitements de crise et 5 traitements de fond, parfois beaucoup plus. 44% des patients déclarent qu'ils n'ont pas reçu suffisamment d'informations lors du premier diagnostic. 78% déclarent que le médecin ne semblait pas bien informé sur leur pathologie. Et puis il y a aussi cet autre chiffre très parlant, 70% des patients ont perdu 21 jours de productivité sur 3 mois. Vous avez décidé pour ce deuxième sommet d'aborder en profondeur la migraine de l'enfant. Pourquoi ce choix? Tout d'abord parce que nous sommes nombreux à avoir été enfants migraineux, mais aussi parce que de nombreux patients nous rapportent leur détresse, le manque de reconnaissance et les difficultés à trouver un médecin qui connaisse la migraine de l'enfant. Les témoignages sont révoltants et il nous a semblé important de faire connaître la migraine de l'enfant, de faire passer le message aux soignants que oui, ça existe et qu'il y a des traitements pour la migraine de l'enfant. Nous parlerons aussi des migraines avec Aura. Alors, j'en souffre et nous sommes un migraineux sur cinq à en souffrir. La migraine avec Aura, c'est comme rentrer dans un monde parallèle. Imaginez-vous, en conduisant, avoir des étincelles, des petites étoiles qui surgissent devant vos yeux. Imaginez-vous, en discutant, commencer à bafouiller, perdre vos mots, devenir aphasique. C'est extrêmement angoissant, déstabilisant. Et les proches, l'entourage, a parfois l'impression que vous êtes ivre. Nous a semblé très important de faire connaître cet aspect de la migraine au grand public et d'apporter des compléments d'information aux malades parce que c'est tellement angoissant que... Et on terminera par les perspectives de traitement. Alors oui, dans l'association, nous avons comme credo de donner des informations fiables, d'une grande qualité et actualisées. Mais nous voulons aussi donner de l'espoir en donnant des informations du futur, démontrer que la recherche avance et qu'on n'est pas sur un point d'arrêt, quoi. On cherche encore pour la migraine. Et on va recevoir
dans ce sommet trois grands spécialistes et vous teniez à les remercier, Sabine. Alors, je tenais tout particulièrement à remercier le docteur Ave Couturier, le professeur Pim et le professeur Shannon pour le temps et l'énergie qu'ils ont consacré gracieusement à la préparation de ce sommet. Un grand merci à vous. Et on va les accueillir dans un instant. Merci beaucoup, Sabine. Et à tout à l'heure pour la conclusion de ce sommet. Sans plus tarder, voici notre première séquence consacrée donc à la migraine de l'enfant. À la fin de chaque séquence, notre invité répondra à vos questions sur le sujet abordé. Alors n'hésitez pas à nous les envoyer dans la fenêtre correspondante sur votre écran. Et nous sommes en duplex avec le docteur Justine Avecouturier. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes pédiatre dans le service de neuropédiatrie et responsable de la consultation douleur de l'enfant au CHU de Lille. Avant de vous interroger, on va écouter le témoignage de Rachel. Elle a 10 ans. Elle nous raconte avec ses mots d'enfant son quotidien et sa maman Fanny, elle aussi migraineuse. On se retrouve juste après. Mes crises de migraine ont commencé à l'âge de 5 ans. J'en ai 3 ou 4 par mois à peu près. Je suis fatiguée, donc j'ai l'impression d'avoir un tambour dans la tête. Je supporte pas le bruit et dès que je bouge un peu ma tête, ça me fait encore plus mal. Je m'étais inscrite à un cours de badminton qui était entre 18h et 20h. C'était trop tard pour moi et donc à chaque fois j'avais des migraines. J'ai dû arrêter parce que du coup j'étais fatiguée et j'avais faim. Les soirées pyjama, des fois on fait un peu moins de choses quoi, il faut se coucher assez tôt. Ça me gêne vraiment quand je fais beaucoup de choses, que je suis très fatiguée, mais si j'arrive à dormir assez, etc., ça va, j'ai pas trop de problèmes. À la maison, c'est plutôt quand je fais des écrans ou quand on se réveille très très tôt. Et à l'école, c'est plutôt parce que on regarde un film ou parce qu'il y a le TNI ou parce qu'il y a du bruit ou tout. Pas spécialement pour moi, mais ma maîtresse a mis en place des casques anti-bruit pour se concentrer quand on a un travail. De mon côté, j'en utilise aussi quand j'ai une migraine. Ça arrête un peu le bruit de mes camarades quand ils font trop de bruit. Je leur demande de se taire parce que c'est difficile de comprendre que quand on a des migraines, c'est très compliqué de supporter le moindre bruit. J'ai aussi un PAI en classe qui me permet d'avoir mes médicaments quand j'ai une crise. Il faut que j'aille voir la maîtresse, que je lui dise que j'ai une migraine et que j'ai besoin de mes médicaments et après elle me les passe. Mes maîtresses ne comprennent pas forcément ce que c'est de vivre une migraine. Il faut vraiment que je dise les bons mots. Maîtresse, j'ai une migraine, j'ai besoin de mes médicaments pour qu'elle m'en donne. Il m'est arrivé que j'ai juste dit j'ai mal à la tête et là, elles m'ont dit que ça allait passer ou que c'est parce qu'il faisait trop chaud. Ma maman est migraineuse depuis qu'elle est petite, donc elle comprend très bien ce que je vis. Quand j'ai une migraine, elle me dit de me mettre calme ou de manger quelque chose. Elle dit aussi aux autres de se taire, par exemple à mon petit frère qui parle assez fort. J'essaye de prévenir déjà ces migraines. J'essaye de faire en sorte qu'elle ait des horaires réguliers au niveau des repas, des couchers. J'essaye aussi de faire attention à elle quand elle est un peu trop excitée. Je sais que ça peut être un facteur déclenchant, donc des fois je lui dis de respirer, de se calmer. J'essaye de limiter aussi les écrans. Son âge à 10 ans, c'est vraiment à la période où ils ont envie d'en faire beaucoup, mais c'est un gros facteur déclenchant aussi. On fait attention au soleil, à mettre des chapeaux systématiquement, de se poser, de faire attention à elle et d'essayer de voir elle si elle sent des signes de migraine arriver. Le plus tôt ça vient, le plus tôt elle peut elle-même essayer peut-être de se reposer un petit peu, faire en sorte que la migraine ne se déclenche pas.
Le principal, c'est vraiment les écrans. Et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment ce qui déclenche le plus les migraines, les soirées pyjama aussi avec les copines. Donc ça, malheureusement, on est obligé de limiter parce que soirée pyjama égale migraine aussi. Donc tout ce qui est sociabilité, en fait, de manière générale, dès que ça veut dire se coucher tard, c'est une migraine assurée. Et c'est dur en même temps de lui dire « Non, non, toi, t'as pas le droit à ça », alors que tout le monde, oui, elle sait que c'est pour elle. Et bon, elle voit bien que sinon, elle est la première à en souffrir. Donc on y arrive ensemble. On a la chance que, je dirais, les trois quarts du temps, le médicament fonctionne. Au bout d'une demi-heure, elle est soulagée. Après, il y a certaines crises, surtout celles qui surviennent en fin de journée, après une grosse fatigue. Parfois, il y a rien à faire, ça passe pas avant qu'elle ait passé une bonne nuit. En gros, faut juste qu'elle dorme et c'est le lendemain que ça ira mieux. Il y a quand même une compréhension de ce que c'est d'être malade, hein, que ça soit pour les migraines, les allergies, enfin, il y a plein de choses qui sont mises en place. Maintenant, on peut quand même prendre son traitement, ce qu'il faut, mais de manière globale, hein, à l'école, au bureau, savoir dire j'ai ce problème, voilà ce que ça implique. Donc, j'en parle déjà à l'enseignant à chaque fois. Rachel aussi, et c'est une enfant qui s'exprime bien, qui n'est pas timide. L'idéal, c'est sûr que ça serait d'avoir un petit coin pour pouvoir s'isoler. Et après, si la crise ne passe pas, bah, c'est appeler les parents, hein. Merci à Rachel et à Fanny pour ce témoignage. Une première réaction, docteur. Est-ce que les parents et les enfants que vous recevez pour la première fois en consultation sont dans la même situation ? Alors, ils vivent la même situation, mais je pense qu'ils ne le vivent pas tous de la même manière. Rachel et sa maman sont déjà très impliquées, très informées. On sent qu'elles ont déjà beaucoup analysé les choses. Et ils ne sont pas tous à ce niveau, on va dire, de compréhension de la maladie. Alors, on va tenter d'en savoir plus grâce à vous, docteur. D'abord, quelques chiffres sur la migraine de l'enfant. Combien d'enfants souffrent-ils de migraine ? Alors, si on fait un calcul simple, la prévalence de la migraine chez les enfants et les adolescents, c'est environ 8%. Et on a en France environ 14 millions d'enfants et d'adolescents. Donc, on peut calculer rapidement qu'il y a environ 1 million d'enfants et d'adolescents migraineux en France. Ce sont essentiellement des filles, particulièrement à l'adolescence. La prépondérance féminine de la migraine dont vous avez parlé juste avant, elle émerge au moment de la puberté. Elle se voit un petit peu moins chez les enfants d'âge scolaire, école primaire, mais elle apparaît vraiment progressivement à la puberté. Parmi tous ces enfants migraineux, tous ne vivent pas la même chose et le niveau de gravité est variable et va surtout dépendre de la fréquence des crises. Quand elles sont très fréquentes, on parle de migraines chroniques et c'est là que les patients sont très impactés par leur maladie. Et ça, toujours à partir de calculs simples, on peut estimer que ça concerne environ 150 000 enfants et adolescents en France. Oui, c'est ce que nous expliquait Rachel hein, tout à l'heure, dont la vie est rythmée par les migraines. À quel âge se déclenchent les premières migraines en moyenne ? C'est très difficile de répondre à la question de l'âge de début moyen parce que ce n'est pas toujours bien identifié par les médecins ou par les parents qui ne connaîtraient pas la migraine. Mais en tout cas, on a beaucoup de patients pour lesquels ça a commencé pendant l'enfance et soit à l'école primaire, soit même parfois à l'école maternelle, donc chez des enfants très jeunes. Si on prend des chiffres plus globaux, chez les femmes, le pic est entre 16 et 33 ans, chez les hommes entre 11 et 25 ans, mais beaucoup de migraineux rapportent a posteriori un début dans l'enfance, parfois même avant 6 ans. Alors on imagine qu'une consultation avec un enfant n'est pas la même qu'avec un adolescent. Quelles sont les spécificités à prendre en compte chez les adolescents notamment ? En effet, les adolescents ne sont ni des enfants, ni des grands-enfants, ni des adultes miniatures. Ils sont vraiment très spécifiques, notamment parce qu'ils sont en recherche d'autonomie. Donc nous, on doit, les médecins, leur laisser une plus grande place dans la consultation. On doit les impliquer encore plus dans leur prise en charge, à moins qu'ils ne le soient déjà, comme le témoignage de Rachel le montre, par exemple. Mais c'est aussi très particulier pour les parents en cette période, puisque les parents sont toujours très impliqués dans la maladie chronique de leur enfant, mais à l'adolescence, ils doivent eux aussi laisser plus de place à leur adolescent et lâcher prise petit à petit.
Et est-ce qu'il... L'adolescent au collège et au lycée, c'est vraiment l'école qui va nous tenir à cœur. Y a-t-il des prédispositions à la migraine chez l'enfant? Alors, je vais revenir un tout petit peu sur l'école quand même, si vous le permettez, parce que donc Rachel et sa maman ont parlé déjà un petit peu du sujet, mais notamment du PAI, qui est vraiment un outil central pour la prise en charge à l'école. Mais les livrets d'information vont aider les enfants à parler de leurs problématiques à leurs camarades, à leurs enseignants, et puis on va travailler avec les parents, les enseignants, les infirmiers de l'éducation nationale pour éviter au maximum notre ennemi juré qui est l'absentéisme scolaire, qui est vraiment un facteur de gravité, particulièrement chez les adolescents. Ensuite, pour répondre à votre question sur les prédispositions, alors oui, il y a des facteurs de prédisposition. Donc, ce qui est probablement le plus connu, c'est la prédisposition génétique, et avoir un antécédent familial de migraine est un facteur de risque de migraine. Certaines formes rares de migraine ont un gène très précis identifié, mais dans la plupart des cas, c'est un phénomène complexe qu'on ne peut pas identifier avec des bilans sanguins actuellement. Mais en tout cas, voilà, avoir des parents migraineux, par exemple, prédispose à être migraineux. D'autres facteurs sont connus comme étant associés statistiquement à la migraine, comme l'anxiété, la dépression, mais on ne connaît pas vraiment le lien de cause à effet entre les deux. Et puis certains enfants vont présenter très jeunes des équivalents migraineux, comme les vomissements cycliques ou le mal des transports, qui va être pour nous un indice qui montre que cet enfant est migraineux et va évoluer probablement vers une migraine typique. La migraine de l'enfant est-elle différente de la migraine de l'adulte? Quels en sont les symptômes, les étapes? Donc c'est la même maladie. On parle de migraine, c'est la même maladie neurologique chez l'enfant, chez l'adolescent ou chez l'adulte, mais effectivement l'expression va être un peu différente. Et dans les classifications diagnostiques, il y a des critères un petit peu plus spécifiques aux enfants, avec notamment des durées des crises qui sont plus courtes, et tant mieux, mais qui peuvent être de 2 heures, par exemple, contrairement à 4 chez l'adulte, et des maux de tête qui sont plus souvent bilatéraux, c'est-à-dire les deux parties du front ou les deux tempes chez les enfants. Ensuite, les signes associés, comme la gêne au bruit et à la lumière, sont pas forcément décrits par l'enfant spontanément, mais sont observés quand même, notamment par les parents. Comment est-ce qu'une même maladie peut-elle entraîner des symptômes aussi différents? Eh bien, comme on l'a dit, c'est une maladie neurologique et la caractéristique principale de l'enfant, c'est d'être une personne en développement avec un cerveau qui se développe et qui mature progressivement, ce qui explique finalement ce que des symptômes puissent évoluer avec l'âge et qu'on peut avoir un équivalent migraineux à type de vomissement cyclique quand on est petit, puis une migraine plus typique à l'adolescence ou à l'âge adulte. Alors, vous avez commencé à expliquer comment se passait une première consultation, mais on aimerait quand même aller un peu plus loin avec vous. Quels mots employer face aux enfants, face aux parents, et comment faites-vous, vous, pour mieux impliquer les enfants? Alors, je n'ai pas de recette miracle, mais bien sûr, il faut mettre l'enfant au centre du trio de la consultation pédiatrique et toujours lui laisser sa place. Donc, c'est l'enfant qui doit décrire les symptômes avec ses mots ou en dessinant éventuellement. Et le parent va compléter avec ses propres éléments. Donc, le médecin, bien entendu, doit s'adapter au niveau de développement de l'enfant. Mais à partir du moment où on leur laisse la place, la plupart des enfants sont capables de décrire plutôt bien leurs symptômes. Ensuite, dans la prise en charge, en tout cas au départ, moi, ce qui m'importe, c'est qu'ils puissent signaler le début de la crise, donc apprendre à reconnaître le début de la crise, comme disait Rachel dans le témoignage, pour aller voir la maîtresse réclamer son traitement, et qu'ils puissent tenir un agenda de crise avec leurs parents, donc sur un agenda papier ou un agenda électronique, comme on connaît par exemple l'application ApoMigraine. Donc, le médecin, vraiment, son rôle, c'est de laisser de la place à l'enfant. Et ce n'est pas toujours spontanément le cas, surtout si on n'est pas pédiatre de formation. Mais les enfants sont capables de décrire beaucoup de choses. Ouais. Alors, la Voix des migraineux a conçu une brochure pour expliquer la migraine aux enfants avec des mots simples, sans éluder la réalité. On voit quelques-unes de ces pages à l'écran. L'objectif, c'est d'aider l'enfant à comprendre, à gérer aussi sa pathologie.
Une réaction à cette brochure que vous avez vous-même validée, docteur, qu'est-ce qu'elle va apporter concrètement aux enfants? Oui, tout à fait. Alors, cette brochure, elle existe, elle est très bien pour les enfants. D'autres brochures existent et sont très bien aussi, peuvent être plutôt adaptées aux adolescents. Mais elle va permettre de reprendre tranquillement à la maison tout ce qui s'est dit en consultation. On imagine bien que pendant une consultation, un enfant ou même un adulte ne va pas pouvoir retenir tout ce qu'on a dit. Et ce type de document va l'aider à reprendre à froid, tranquillement avec ses parents, tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est passé. Donc, c'est extrêmement important pour fixer les informations. Après, bien sûr, ils pourront servir aussi de sort de livret pour expliquer à leurs camarades à l'école, à leurs enseignants, ce qui leur arrive. Ouais, le but des consultations est bien évidemment de comprendre ce qu'il se passe et aussi de soulager la douleur. Quelles solutions proposez-vous aux enfants? Que leur proposez-vous comme traitement? Alors, d'abord, on a donc tout ce travail d'explication sur la maladie, puis sur les traitements, en séparant bien les traitements de crise des traitements de fond. Les traitements de crise étant destinés à être pris le plus vite possible quand la migraine arrive, pour qu'elle dure moins longtemps. Donc, il existe plusieurs types de médicaments dans ce cadre. Effectivement, comme le disait Sabine tout à l'heure, des médicaments existent qu'on peut prescrire aux enfants et qui sont tout à fait efficaces. Pour ce qui concerne les traitements de fond, donc on en parle assez systématiquement lors des premières consultations, mais ils seront particulièrement indiqués quand la fréquence dépasse 1 à 2 épisodes par semaine et pendant plusieurs semaines, d'où l'intérêt des agendas pour être certain de l'indication. Ces traitements de fond pourront être des médicaments, mais généralement en seconde intention. En première intention, chez les enfants et les adolescents, on va privilégier les traitements de fond non médicamenteux. Déjà, tenir son agenda, repérer les facteurs déclenchants, apprendre à gérer les facteurs déclenchants, et puis éventuellement apprendre une technique de relaxation, de gestion du stress, surtout si le stress est identifié comme un facteur déclenchant pour cet enfant. Donc, les traitements de fond, c'est finalement très vaste. Docteur, vous restez avec nous. On va maintenant prendre les questions sur le sujet. Vous avez la parole. Et avant de prendre vos questions, vous qui nous regardez, eh bien, nous accueillons sur ce plateau Céline, migraineuse depuis 20 ans et fondatrice de l'appli Apo pour les migraineux, dont parlait le docteur à l'instant. Bonjour Céline. Bonjour. Et Laetitia, migraineuse, vous aussi depuis 20 ans, membre fondatrice de l'association. Laetitia, je vous laisse poser votre question au docteur avec Couturier. Bonjour docteur. À partir de quel âge peut-on donner un traitement chez l'enfant? Bonjour. Vous parlez plutôt des traitements de crise? Oui. Oui. Alors, vraiment, il n'y a pas d'âge limite, hein. À tout âge, on peut trouver un traitement de crise adapté. C'est vrai que généralement, bon, les enfants qu'on voit en consultation, c'est quand même rarement avant 3 ans. C'est possible que ça existe avant, mais à mon avis, le temps qu'on s'en rende compte et qu'on puisse comprendre que c'est la migraine, on les voit rarement arriver avant. Et on peut tout à fait donner des médicaments, notamment l'ibuprofène, avec des formes pédiatriques en suspension buvable ou des préparations éventuellement s'il le faut. Alors, autre question, Céline? Oui, bonjour docteur. Est-ce qu'un migraineux enfant sera forcément migraineux à l'âge adulte? Et est-ce qu'il y a une corrélation finalement entre la sévérité de la migraine durant l'enfance et la probabilité d'être migraineux à l'âge adulte? Alors, là, il peut y avoir des contradictions entre ce qu'on observe dans la vraie vie et des études qui sont parfois un peu pessimistes sur la sévérité à l'âge adulte quand la maladie est sévère pendant l'enfance. Moi, j'ai tendance à délivrer plutôt un message optimiste, c'est-à-dire que quand on est migraineux toute sa vie, c'est vrai, mais naturellement, il y aura des hauts et des bas, et plus on apprend tôt à gérer sa maladie, à comprendre sa maladie et à avoir un traitement de crise adapté ou un traitement de fond s'il le faut, plus on va avoir une qualité de vie normale et on va la garder à l'âge adulte. C'est ce qu'on a appris pendant l'enfance, cette gestion, on va la garder à l'âge adulte. Donc j'ai tendance à avoir plutôt un message optimiste. Après, évidemment, sans mentir hein, aux enfants, est-ce qu'on reste migraineux? Oui, mais est-ce que c'est forcément grave? Non. Alors, on a beaucoup de questions de téléspectateurs, docteur. Je vous en livre une de Tristan qui nous demande: quelles activités ou loisirs peut-on proposer aux enfants sévèrement touchés par la migraine pour ne pas qu'ils se coupent
du lien social. On le voit, c'est parfois difficile de garder ce lien lorsque l'on a des migraines à répétition. Oui, c'est très important d'avoir une activité de loisir, de l'activité physique si possible, c'est mieux, mais ça peut être aussi une activité artistique qui effectivement les garde dans un lien social. Donc moi, je ne recommande pas de sport en particulier. Je pense que du moment qu'ils bougent, ces enfants, et que ça leur fait plaisir, c'est bien. Donc j'ai des enfants qui font bien sûr du foot, de la danse, de l'équitation, des patients qui font tout ça, mais j'ai aussi eu des patients qui faisaient de la pétanque, du golf ou d'autres choses, et c'était très bien aussi. Il n'y a pas d'activité proscrite. Je n'ai pas d'activité privilégiée à recommander, c'est vraiment, ça doit leur faire plaisir avant tout. Autre question de Saïd, quel type de médecin faut-il aller voir pour avoir un diagnostic de migraine chez l'enfant ? Existe-t-il des centres spécialisés, notamment en France ? Oui, bien sûr. Alors, il y a plusieurs niveaux possibles, hein. C'est-à-dire le premier niveau, c'est le médecin généraliste. Et dans une certaine mesure, les médecins généralistes doivent pouvoir évoquer le diagnostic, demander de l'aide, bien sûr, s'ils en ont besoin, et proposer un premier traitement de crise simple. Le deuxième niveau, ce seront les pédiatres, par exemple les pédiatres libéraux, qui sont des gens formés particulièrement à la médecine de l'enfant. Et le troisième niveau, ce seront les consultations de douleur et ce qu'on appelle en France les structures douleurs chroniques, qui existent partout en France, dont certaines sont exclusivement pédiatriques, et dont on peut retrouver l'annuaire sur le site du ministère de la Santé ou de la SFETD, probablement également sur le site de l'association. Alors, autre question, docteur, question de Sandrine, qui dit « Je souhaiterais savoir s'il peut y avoir un lien entre diabète de type 1 et migraine. » Pour son enfant. J'imagine, oui. Pour son enfant. Pour un enfant qui a un diabète de type 1. À ma connaissance, il n'y a pas de lien direct entre les deux. La migraine est quand même beaucoup plus fréquente comme maladie que le diabète de type 1 chez l'enfant. Et la migraine étant très fréquente, eh bien, on peut malheureusement être un enfant et avoir une maladie chronique X ou Y et une migraine en plus. Donc ça, effectivement, ce sont des choses qui arrivent, qu'un enfant ait un diabète, une mucoviscidose, une épilepsie, et en plus une migraine. Donc c'est sûr que ce sont des situations qui sont difficiles à gérer doublement. Alors autre question que vous pose Yann, mon enfant a souvent mal à la tête, il est pâle et prostré, que lui donner et à partir de quand consulter ? Alors, je ne peux pas prescrire ici en visio à cet enfant ou adolescent, hein, mais bien entendu. Je pense qu'il faut consulter à partir du moment où ça se répète. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui revient régulièrement dans la vie de l'enfant, qui va du coup le gêner. Il faut consulter parce que ça se répète. C'est déjà arrivé. Si c'est déjà arrivé plus de 5 fois... À quel rythme ? 5 fois ? Peu importe le rythme, en fait. Hein, on a des enfants migraineux qui sont diagnostiqués tard parce qu'ils font peu de crises, en fait, et qu'elles sont très espacées. Mais si c'est déjà arrivé 5 fois ou moins, mais avec des crises très longues, je pense qu'il faut quand même l'évoquer et en parler à son médecin. Vous évoquiez, et effectivement Fanny et Rachel l'évoquaient aussi, ce lien entre parents et enfants, le fait que, effectivement, quand on a des parents migraineux, il y ait parfois une probabilité que les enfants le soient aussi. Est-ce qu'il y a des statistiques là-dessus ? Est-ce qu'on sait quelle est la probabilité que des parents migraineux aient des enfants eux aussi migraineux ? Alors, moi, je n'ai pas de chiffres en tête et je pense que c'est pas plus mal. J'imagine quand même l'angoisse d'une migraineuse enceinte qui saurait précisément le risque que son enfant soit migraineux. Et je ne sais pas si ce serait bien de le savoir. Mais il y a un risque, c'est sûr. Après, on n'est pas dans de la statistique précise comme pour certaines maladies génétiques. C'est un phénomène qui est beaucoup plus complexe, comme je le disais. Et il y a ces facteurs génétiques familiaux qui vont abaisser le seuil de la migraine et donc augmenter le facteur de risque. Mais on n'est pas dans un calcul vraiment possible à l'avance. Après, avoir un parent migraineux, ça peut être un avantage, hein, parce que les crises sont reconnues plus facilement. Les parents migraineux savent aussi plus facilement ce qu'il faut faire. Alors, une dernière question, elle nous est envoyée par Odile. Que faire si aucun traitement ne fonctionne chez l'enfant ? Alors, on peut toujours faire des choses et des traitements. Enfin, sincèrement, on en trouve quand même
toujours qui fonctionne. Par contre, il faut souvent s'interroger sur l'éducation thérapeutique, par exemple, c'est-à-dire est-ce que l'enfant prend suffisamment vite son traitement, est-ce qu'il y a des barrières à la prise du traitement à l'école, et si on s'arrête pas juste sur le médicament, qu'on prend un peu de recul sur l'environnement de l'enfant. En général, on trouve des solutions. Le médicament peut être un problème, mais tout ce qu'il y a autour peut être un problème encore plus important. Merci, docteur Avé-Couturier, d'avoir été en duplex avec nous. Merci de nous avoir permis de mieux connaître et de mieux comprendre la migraine de l'enfant. On va passer à notre deuxième séquence et on va parler de la migraine avec Aura. À la fin de cette séquence, notre invité répondra là aussi à vos questions. N'hésitez pas à nous les envoyer dès maintenant. Séquence suivante. Et dans un instant, nous serons en duplex du Canada avec le docteur Heather Pym, neurologue, directrice de la clinique des céphalées du Centre hospitalier de l'Université de Montréal et présidente de Migraine Québec. Mais d'abord, voici le témoignage de Fanny, Emmanuel et Rebecca. Elles nous racontent leurs symptômes, leurs crises et leur quotidien chamboulé. Ça commence par des taches dans les yeux, soit des taches noires, soit des taches avec des petites lumières scintillantes, ou soit le champ de vision qui diminue. Je vais voir comme des petits éclairs. Tout va paraître très flou, qui peut durer, je ne sais pas, entre 10, 15, 20 minutes. Je vais avoir des fourmillements dans la main, dans le visage, dans la bouche, et parfois jusqu'à la cuisse. Ça va durer une quinzaine de minutes. Tu peux me mettre une aiguille et un couteau dans la main, je ne sentirai strictement rien. Ça part comme des fourmillements vers le haut. L'aura, c'est aussi cette impossibilité à utiliser une de mes mains. Parfois même, j'ai du mal à me déplacer. Après, je vais avoir des raideurs dans la nuque. Je vais commencer à être paralysée des membres inférieurs et extérieurs du côté droit. Je vais avoir la bouche qui part sur le côté. Je suis complètement déboussolée. Je vais avoir des difficultés à m'exprimer. Je ne vais plus comprendre le sens des mots très simples. Je ne vais plus reconnaître les gens de mon entourage. Je vais finir par être totalement aveugle. Le plus difficile, clairement, c'est l'aura. Plus que la migraine, c'est l'aura qui pour moi, est particulièrement handicapante parce que même si les migraines nous pourrissent la vie aussi, enfin, je dis tout le temps, si je pouvais ne plus avoir d'aura et juste garder les migraines, je signe... Voilà, je signe. La crise, elle peut durer. J'ai de l'aura prolongée. Ça, je vais rester vraiment quelques jours, même parfois quelques mois, avec des troubles du langage, des troubles visuels. J'ai très, très peu de jours où je suis 100% bien. Pendant plusieurs jours, j'ai plus de mal à trouver mes mots. Et ce n'est pas seulement lié à la crise de migraine et à la douleur. C'est vraiment lié à l'aura. Et ensuite, le mal de tête qui arrive. La douleur sera du côté opposé de l'aura. J'ai peur des crises, effectivement, je les appréhende beaucoup. Pour mon cas, ce n'est pas tant le mal de tête, parce que moi, mon mal de tête est gérable. Ce que j'appréhende le plus, c'est les auras. J'essaie de prendre un quart d'heure, une demi-heure, trois quarts d'heure pour moi, de façon que toutes ces auras disparaissent. Et ensuite, j'essaie de reprendre un rythme de vie normal, parce que je peux me le permettre, parce que ça ne m'handicape pas. Ce n'est pas forcément facile à gérer tous les jours. On a peur de la crise, parce qu'on sait ce qui nous attend, on sait dans quel état on va être. Et on sait qu'on va mettre du temps à s'en remettre, que le chemin il va être long avant de récupérer toutes nos capacités. En plus de ça, la crise en elle-même, elle est effrayante, je trouve. Le fait d'être paralysé, de même pas pouvoir se lever, c'est quelque chose qui est assez impressionnant, même si finalement on a l'habitude, parce que ça fait partie de notre quotidien. Quand je vois ces petites taches apparaître, bah, j'ai toujours cette peur qui prend le dessus. Alors oui. Oui, j'ai peur de la crise. Elle me tombe tellement dessus n'importe quand que je ne sais jamais si je vais finir la journée. C'est tellement aléatoire et j'ai tellement l'impression que ça me pourrit la vie. C'est ma trouille quotidienne. Les gens qui ont assisté à mes crises ont compris. Ils ont vu que c'était vraiment quelque chose d'impressionnant et délicat à gérer. Après, les gens qui n'ont jamais assisté, et je leur ai juste raconté ce que j'avais,
Je dirais qu'ils ont un peu plus de mal à te croire. On dirait toujours qu'on invente ça pour le plaisir. Je pense que c'est difficile à comprendre. J'ai essayé de trouver des images pour montrer à mes proches. J'avais trouvé une vidéo aussi qui expliquait bien l'aura visuelle. Là, mes proches ont pu se dire « Ah !» Oui, c'est ça. Je sais que ça leur a fait plaisir aussi de comprendre un peu par l'image. De façon générale, oui, personne ne va râler en disant oh, « elle nous agace avec ses migraines ». Ils m'aident et ils me comprennent autant qu'ils peuvent, mais c'est pesant sur le quotidien. Mes parents ne comprenaient absolument pas ma situation. Pour eux, c'était un simple mal de tête. Quand je leur expliquais que je ne voyais pas très bien d'un œil, que j'avais une perte de sensation au niveau de la main, ils me regardaient, ils me disaient « mais t'es sûr que ça va ?» dans le sens « t'es pas un peu folle, quoi ». Je me suis toujours un peu battue avec eux. J'ai une petite sœur qui a 18 ans et qui a les mêmes symptômes que moi. Ça a fait à mes parents comme un espèce de déclic. Et là, ils se sont dit « Ah, mais c'est les mêmes symptômes que la grande sœur ». Et donc, à partir de ce moment-là, ils ont fait les démarches pour ma sœur, etc. Et ils ont compris que ben, mon cas, c'était pas du cinéma, que c'était très vrai, très réaliste. Mais bon, pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut paraître assez étrange, assez fou. J'ai pas des crises qui sont très régulières. Il y a des mois où je peux avoir 2-3 crises dans le mois et des mois où je peux strictement rien avoir. J'ai un quotidien qui est quand même relativement normal. Je sors, je vais travailler, je m'occupe des enfants, je prépare à manger, je sors le soir avec mes copines, etc. Ça n'empêche que j'ai quand même une petite alarme dans ma tête qui me dit « Fais attention, t'as pas eu de migraine depuis un moment, est-ce que ça va pas arriver ?» Les crises ont envahi le quotidien. Ça me tombe dessus n'importe quand et ça arrête la vie de tout le monde. Tout le monde est obligé de faire en conséquence. Donc l'impact est relativement lourd parce que je suis devenue celle qui ne finit pas les fêtes, celle qui ne vient pas systématiquement, celle qui pose des lapins. Pour les personnes qui ne connaissent pas ce sujet de migraine avec aura, soit la fille elle est complètement folle, soit elle fait un AVC. En fait, il n'y a pas de juste milieu. On ne peut pas être libre de faire ce que l'on veut, de demain partir à l'improviste comme ça. Il faut quand même un certain cadre pour dire d'être plus sereine au niveau des migraines, parce qu'à tout moment, elle peut apparaître. Il n'y a pas une journée où j'y pense pas, parce que ça fait partie de ma vie. C'est assez difficile de se dire qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Quoi. Ne pas être libre, y penser très souvent, subir. Merci Fanny, Emmanuel et Rebecca pour vos témoignages. Et bonjour, docteur Isorpim. Bonjour, ça merci. Va bien, Sébastien. Ça bonjour va très bien, merci beaucoup et merci d'être en duplex avec nous du Canada. Première question simple et directe, c'est quoi une migraine avec aura, avec vos mots à vous? Ah oui, ben, la migraine avec aura, pour moi, c'est une condition très débilitante. Hein. On vient d'avoir des témoignages qui nous expliquent un peu le vécu. La personne souffre de plusieurs symptômes neurologiques. Ça peut être isolé comme juste visuel, mais comme on a écouté dans les témoignages, ça peut être très vaste. Ça peut atteindre la vision, ça peut atteindre le langage, les gens peuvent devenir engourdis. Et une chose certaine, c'est que comme neurologue, on a des critères sur lesquels on se base pour faire ce diagnostic-là. Alors, quels critères, justement? Oui, en fait, je vais vous les montrer. Donc, en fait, ça, c'est basé sur la classification internationale des céphalées. Et c'est au moins deux crises qui répondent aux critères que vous voyez ici. Donc, au moins un symptôme neurologique entièrement réversible d'aura. Ça peut être visuel, sensitif, langagier. Ça peut aussi plus rarement être moteur ou venant du tronc cérébral. Je vais expliquer cet aspect-là un peu plus en détail parce que c'est pas évident c'est quoi le tronc cérébral, etc. Ou bien ça peut venir de la rétine. Et on doit avoir au moins 3 sur 6 critères suivants, c'est-à-dire que le symptôme s'installe de façon progressive sur au moins 5 minutes. S'il y a 2 symptômes, ben ils peuvent aller en succession, en fait, un peu aller vers l'autre. La durée est, tu sais, on a entendu un témoignage d'une durée très longue sur plusieurs jours, mais en fait, la majorité des auras durent à peu près 60 minutes ou moins. Et l'aura, au moins un aura peut être unilatéral. On parle aussi d'une aura positive. Donc, on a entendu également, j'ai vraiment apprécié les témoignages, les symptômes dits positifs. Et je vous en montre ici dans les encadrés. Ça peut être des petits brillants, des flashs, des zigzags dans l'environnement. Comme ça peut être un trou noir, mais parfois, il y a un aspect un peu coloré ou brillant. Donc, on appelle ça des symptômes positifs. Et l'aura est accompagnée ou est suivie par la céphalée migraineuse en dedans de 60 minutes. Existe-t-il plusieurs types de migraines avec aura?
La migraine, disons qu'il y a la migraine avec aura typique et ceux qui sont un peu moins typiques. Donc, quand on parle de typique, c'est vraiment les symptômes visuels qui sont à l'avant-plan dans 98% des cas. Sinon, il y a des phénomènes sensitifs, par exemple, un engourdissement du visage et du bras, c'est ce que je vois le plus fréquemment. Et ça peut être langagé, hein. On a entendu également dans les témoignages les gens qui déparlent ou qui ont une difficulté à trouver leur mot. Les formes plus rares, par exemple la migraine avec aura du tronc cérébral. Le tronc cérébral est une structure centrale du cerveau. Vous pouvez voir ça comme un entonnoir où tous les messages du cerveau, le grand cerveau, passent dans cet entonnoir avant de se rendre à la moelle épinière. Et donc, c'est un environnement très riche en structures et donc, on peut avoir plusieurs symptômes attachés. Par exemple, des vertiges, la vision double, une démarche hébreuse, un peu comme on appelle ça une démarche ataxique. On peut également avoir une baisse de l'état de conscience. On peut avoir une difficulté à prononcer nos mots, ce qu'on appelle la dysarthrie. Donc, ça peut être une panoplie de symptômes. La migraine hémiplégique, le nom le dit, c'est vraiment une sensation de perte de force d'un côté de notre corps. Et la migraine rétinienne, ce serait aussi des phénomènes visuels, mais cette fois-là, c'est monoculaire. Donc, ça vient juste d'un œil. En fait, l'activité se passe sur la rétine et non pas au niveau du cerveau. Est-ce qu'on connaît la proportion de migraineux avec aura et est-ce qu'il y a des prédispositions génétiques là encore? Oui, mais très bonne question. En fait, il y a à peu près un tiers des patients qui souffrent de migraines qui ont des auras. Et en fait, ce que je vous montre ici, c'est écrit petit, puis on n'ira pas en détail, c'est comme une petite patte de mouche. Mais en fait, c'est voulu, hein, je voulais vous montrer l'ampleur des connaissances que nous avons maintenant concernant la génétique et la migraine avec aura. Donc, disons, pour la migraine avec aura typique, on soupçonne un lien génétique parce que quand nous creusons, on trouve souvent un membre de la famille qui souffre de migraine, que ça soit avec aura ou pas. Donc, on sait avec les formes dites monogéniques, polygéniques, c'est plus difficile à retracer. Donc, c'est pas toujours évident le lien génétique. Et pour la migraine avec aura typique, c'est ça. La plupart des cas sont dites polygéniques. Il y a plusieurs gènes qui contribuent. Et donc, de retracer ça, c'est difficile. Par contre, il y a des formes de maladies, comme on vient de discuter, plus rares, comme la migraine hémiplégique familiale, par exemple, où il y a trois gènes reconnus, bien déterminés. On voit ça comme au centre, juste un petit peu à gauche du diapositive. Vous allez voir migraine hémiplégique familiale, il y a trois gènes reconnus. Il y a aussi la migraine avec transmission mendélienne, qu'on connaît aussi, et toutes les autres maladies que vous voyez listées là. Il y a des migraines associées, mais aussi d'autres conditions associées. Mais ça vous donne encore une idée des développements en génétique et migraines avec aura. C'est assez vaste, il y a beaucoup de travaux qui sont en cours également. Effectivement, et ce schéma le prouve d'ailleurs. Que se passe-t-il dans le corps et dans le cerveau pour déclencher une migraine avec aura? Mais en fait, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des déclencheurs dans notre environnement ou chez la personne qui va mener à développer une crise de migraine, qui va débuter la cascade, si vous voulez. Mais c'est difficile à comprendre la pathophysiologie ou la biologie en dessous de ça, et c'est très spécifique à chaque personne. Ce que je vous montre ici, c'est encore une autre schématisation tirée de ce même article que j'ai vraiment apprécié, en fait, parce que ça vous illustre quand même bien à quel point c'est vaste, les déclencheurs. Donc, ça peut être alimentaire, comme ça peut être quelque chose qu'on boit, comme de l'alcool, par exemple. Ça peut être génétique, comme on vient de discuter. Ça peut être environnemental. Donc, il y a des patients qui vont décrire qu'ils ont des migraines reliées à la pression atmosphérique. Ça peut être aussi dû à des bruits forts, la grande luminosité, donc des odeurs particulières. Donc, c'est très vaste. Donc, on sait qu'il y a une fragilisation génétique, il y a un déclencheur que je vous montre ici. Et là, par la suite, il y a comme toute une cascade de migraines qui suit. Alors, parlons de la crise en elle-même. Que se passe-t-il dans le corps et dans le cerveau au moment de la crise? En fait, ce que j'aimerais vous montrer ici, c'est une vidéo que vous-même, vous pouvez aller sur YouTube.
et télécharger. Là, je vais demander juste que la vidéo roule une fois sur l'autre, hein, si jamais on n'arrive pas à tout expliquer en une fois. Mais ce que vous voyez ici, c'est le cerveau et les différentes nerfs. Et vous voyez une vague d'activité qui passe sur le cortex ou l'écorce du cerveau. Et c'est ce phénomène-là qui peut donner les auras. Et à la base, quand on regarde encore plus microscopiquement, au niveau des nerfs et des vaisseaux, ce qui est produit, c'est une genre de soupe inflammatoire. Et c'est ce qu'on démontre ici. Ce qui est relâché, c'est entre autres le peptide relié au gène de la calcitonine, un grand vedette actuel qui a mené à la mise sur marché de plusieurs médicaments plus spécifiques pour la migraine, mais il y en a d'autres. Et ce genre de soupe inflammatoire qui est produit, ben, va irriter davantage les nerfs. Et c'est ce que vous voyez ici. Ça allume davantage. Et tous ces messages vont passer vers le cerveau. En premier, ils vont arrêter dans ce qu'on appelle le ganglion du trijumeau. Donc, le réseau du trijumeau, c'est tout ce qui donne la sensation à la tête et la face. Et ensuite, ça va aller vers le tronc cérébral et ensuite monter au cerveau où la douleur va être perçue. Donc, c'est vraiment une belle schématisation, je crois, de la biologie en dessous de la migraine. Et quand les gens visualisent ça, ils disent « Ah, là, je comprends pourquoi j'ai la migraine. » Tu sais, si on recule, tu sais, je vais dire 50 ans, 100 ans, on n'avait pas cette connaissance de la biologie en dessous de la migraine ni de l'aura. Et donc, tu sais, on pensait que c'était littéralement des femmes hystériques qui avaient de la migraine. Mais là, on reconnaît la biologie. Et si jamais vous voulez retourner, vous n'avez qu'à taper dans YouTube « Migraine pathophysiologie » en anglais et vous allez retrouver la vidéo. Effectivement, cette vidéo est très parlante, docteur. Parlons des traitements maintenant. Est-ce qu'ils sont différents pour les migraines avec ou sans aura? Ben, en fait, pas nécessairement. Je vous dirais que quand l'aura est vraiment à l'avant-plan, on peut décider de traiter l'aura plus que la migraine. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, il y a des patients qui ont juste des auras, et on peut donner, par exemple, un supplément de magnésium. Malgré qu'il n'y a pas de recherche très, très de forte qualité au sujet du magnésium, c'est relativement, c'est pas dangereux de donner des suppléments. Et donc, c'est une façon de faire qui est simple. Si l'aura prend encore beaucoup plus de place, on peut aller vers des médicaments comme le lamotrigine, par exemple, qui est un médicament qu'on utilise pour traiter l'épilepsie. Mais c'est aussi très bon pour les auras. Ensuite, on reconnaît qu'il y a un certain chevauchement entre la migraine avec aura et l'épilepsie. Et donc, c'est pour cette raison-là, pour traiter la migraine, on utilise souvent des médicaments anticonvulsivants. Je vous dirais que la majorité de mes patients ne veut pas nécessairement un traitement. Je pense qu'on l'a vu aussi dans les témoignages. Il y avait une patiente qui a dit, moi, c'est surtout la migraine. Les auras, tant que je sais, je ne suis pas en train de faire une AVC, je peux gérer, mais c'est la migraine qui gâche ma vie. Il y en a d'autres personnes qui ont des auras qui sont extrêmement débilitants et c'est cet aspect-là qui gâche leur vie. Donc, je vous dirais que dépendamment de la personne, on va viser le traitement en conséquence. Et l'autre question qui m'est souvent posée, c'est par rapport au traitement, c'est quand est-ce que je me traite? Si j'ai la migraine, est-ce que je me traite avec les médicaments casse-crise comme les triptans au début de mon aura ou au début de la migraine? Disons que la littérature nous dit « traitons au début de la migraine », mais moi, j'ai des patients qui ont essayé pendant l'aura et ils trouvent que c'est plus efficace. Donc, moi, je laisse le choix à mes patients vu que ce n'est pas dangereux de faire l'autre. Est-ce qu'il y a justement des médicaments, des traitements qui sont déconseillés pour ce type de migraine? En fait, je vous dirais que on pensait que oui initialement, par exemple pour les triptans, mais basé sur une manque de recherche à mon avis. Par exemple, les triptans qu'on donne pour casser la crise de migraine ont un effet pour fermer les vaisseaux, un effet vasoconstricteur. Et donc, on s'est dit, si on fait une aura et on pensait initialement que les auras étaient dues à une fermeture de vaisseaux, on pensait, ben, si on donnait encore des triptans, on allait empirer les auras. Maintenant, on sait que l'aura, il y a un aspect vasoconstricteur, mais c'est beaucoup plus l'électricité qui passe sur le cerveau, comme on vous montre ici, qui cause l'aura. Et d'autant plus, on a des meilleures connaissances que les triptans agissent, oui, pour fermer les vaisseaux, mais surtout à l'extérieur du cerveau et non pas moins à l'intérieur.
Donc, moi, je vais donner des triptans pour les auras, il n'y a pas de problème. Où je serais plus réticente, c'est avec des produits dérivés de l'ergot. Donc, le dihydroergotamine ou le DHE, ça a un effet vasoconstricteur très puissant et je ne donne pas ça pour des gens qui ont des auras, surtout pas des auras typiques. Et là, il y a aussi toute la question d'hormones, mais je pense qu'on va y arriver un peu plus tard dans la Ouais. discussion. Alors, les migraines avec aura, en tout cas, sont angoissantes, terrifiantes. Est-ce qu'on peut craindre des séquelles dans le cerveau et est-ce qu'il y a plus de risques de faire un AVC? Ben, en fait, disons que oui, il y a des facteurs de risque qui sont identifiés et je vous les montre ici. Donc, on sait que la migraine avec aura confère une certaine risque. Je vais vous montrer un peu plus tard, dans une prochaine diapositive, les différents risques relatifs. Mais disons qu'on sait que la migraine avec aura est associée avec un risque plus fort pour avoir des accidents ischémiques transitoires, AIT, ou des accidents vasculaires cérébraux, une AVC. Il y a aussi le fait d'être une femme en bas de 45 ans avec migraine avec aura, ou une femme qui acquise la migraine plus tard dans sa vie. Une migraine qui est plus active. Donc, les gens qui ont une migraine, qui ont des crises une fois par année ou même pas, c'est moins risqué, mais quelqu'un qui aurait plus de crises par année sont plus à risque. Des crises aussi, des crises avec migraine avec aura nous confèrent un risque plus élevé de maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires. Et où on est moins certain, c'est par rapport à la sévérité de la migraine. Ça ne semble pas relié à un risque plus élevé d'AVC. Et selon l'homme, ben, il y a une plus petite population, donc encore là, on est moins certain s'il y a un lien ou pas. Ça ne semble pas. Alors, il y a plusieurs confrères généralistes inquiets qui vous posent la question souvent, peut-on prescrire une pilule contraceptive à base d'œstrogène pour les migraineuses avec aura? Qu'est-ce que vous leur répondez? Est-ce que c'est dangereux ou pas? Je vous dirais qu'on regarde chaque cas par cas et je dis non, pour moi, ce n'est pas un non catégorique. Je crois que chez un médecin de famille ou un gynécologue qui n'ont pas nécessairement à suivre ces patients qui souffrent de migraine, ils peuvent plus facilement dire catégoriquement non. Moi, je vous dirais que je regarde un peu le contexte. Donc, pour vous expliquer pour tout ça, je vous montre ces données qui comparent les migraineux avec aura, avec une population, une cohorte normale qui n'a pas de migraine. On sait que la migraine avec aura, sans aura ne confère pas de risque additionnel de faire une AVC, mais comme je vous ai dit dans le diapo précédent, avoir migraine avec aura, ça augmente le risque relatif de 2 fois. Qu'est-ce que ça veut dire essentiellement? C'est que, prenons une jeune femme, migraine avec aura, sans aucun autre facteur de risque dit vasculaire. Pas de haute pression, pas de diabète, pas d'obésité, ne fume pas la cigarette, n'a pas de problème de cholestérol. Et vous avez sa clone qui n'a exactement pareil, mais pas de migraine avec aura. Mais cette jeune femme avec aura, elle a 2 fois plus de risque de faire une AVC. Mais 2 fois plus de quoi? 2 fois plus, presque zéro. Une jeune femme en très bonne santé, son risque de faire une AVC est zéro. Donc, oui, il y a un risque de plus et je ne crois pas qu'on doit banaliser cette information-là. Mais comme vous voyez, si on prend migraine avec contraceptif oral combiné, c'est 7 fois plus de risque. Migraine avec tabac, c'est 9 fois plus de risque. Migraine avec aura, avec contraceptif oral combiné et tabac, c'est 10 fois plus de risque. Donc, il y a d'autres conseils qu'on peut aussi donner à nos patients par rapport au tabagisme, par exemple. Rapidement, docteur, en France, une IRM cérébrale est réalisée pour la première crise avec aura. Est-ce qu'au Québec, c'est la même chose? Et est-ce que c'est inquiétant ces taches blanches qui apparaissent lors de l'IRM? Oui, les taches blanches. En fait, non, on ne sait pas c'est quoi la relation avec les taches blanches et des risques d'AVC nécessairement, mais on les voit chez les patients qui souffrent de migraine et on a souvent des consultations parce qu'on fait des IRM, pas systématiquement. Au Québec, on les fait seulement si on a des auras atypiques, mais très souvent, comme vous voyez ici, on a une conclusion du radiologue qui n'a pas le bénéfice du patient devant lui ou devant elle. Et là, ils disent, est-ce que la personne souffre de migraine? Est-ce que ça peut être une maladie vasculaire? Donc, recommandons une consultation en neurologie. Donc, ça peut être une source de plusieurs consultations en neurologie, mais c'est pas, il n'y a pas de lien direct entre la petite tache blanche et avoir une AVC plus tard. Vous recevez une quinzaine de patients par jour, dont deux nouveaux.
Comment se déroule une première consultation chez vous? En fait, moi, je commence du début. Donc, je prends l'historique de tout le portrait médical chez la personne, s'ils ont des problèmes de santé, quels sont les médicaments qu'ils prennent, c'est quoi leurs habitudes de vie. Mmh. Et là, on rentre dans le vif du sujet, on creuse pour savoir quand est-ce que les céphalées ont commencé, c'est quoi les symptômes, est-ce qu'il y a des symptômes accompagnateurs. Nous cherchons également ce qu'on appelle des drapeaux rouges, hein, des signes qui n'iraient pas nécessairement avec la migraine, mais qui pourraient indiquer une cause secondaire pour une autre cause de céphalée, par exemple. Et une fois notre questionnaire complété, ben, on fait un bon examen neurologique complet, on s'assure que ça soit normal. Et une fois que tout ça s'est fait, on confirme le diagnostic de migraine. Et là, on peut passer le reste de l'entrevue pour discuter différentes options thérapeutiques pour gérer la migraine. Docteur, vous restez avec nous. On a encore plein de questions à vous poser sur la migraine avec Aura. C'est dans un instant. Vous avez la parole. Et avant de prendre vos questions, vous qui nous regardez, eh bien, on accueille sur ce plateau deux témoins, Morgane et Myrène, migraineuse chronique et sévère. Vous êtes toutes les deux résistantes au traitement de fond et vous avez des questions très précises à poser au docteur Pym. On commence avec vous, Morgane. Oui, bonjour, bonjour docteur. Vous avez Bonjour. Parlé du risque d'AVC. Est-ce qu'il est vraiment élevé? Et surtout, comment est-ce qu'un migraineux peut reconnaître l'AVC? Merci beaucoup. Et merci pour votre question. En fait, chez les patients qui ont des migraines sans aura, le risque n'est pas plus élevé. Donc, on n'a pas à s'inquiéter de ça. C'est surtout quand on fait des migraines avec aura, on augmente de 2 fois le risque. Mais encore, comme j'ai mentionné, chez une population relativement jeune, en bonne santé, le risque est très, très faible. Donc, je ne m'inquiéterai pas de ça. Ce que je pense qui est intéressant comme information, c'est de savoir si vous faites migraine avec aura, vos risques de faire, par exemple, une maladie cardiovasculaire ou une AVC, oui, sont plus élevés. Et donc, ça serait un message peut-être de prendre soin de soi davantage, s'assurer de mener une vie en santé, de bien manger, réduire les stress autant que possible, garder un poids santé, rester actif physiquement, essayer de manger le moins de gras, le moins de sel possible. C'est en fait toutes les choses qui protègent nos vaisseaux. Donc, je pense que ça serait juste un message, si j'étais à la place de quelqu'un qui souffrait de migraine avec aura, ça serait un message, pas d'inquiétude, mais surtout de, bon, il faut que je me protège parce qu'à la longue, je serais plus à risque de ces maladies-là. Myrène, vous avez aussi une question à poser au docteur Pym. Oui, bonjour docteur. En fait, vous avez à plein de moments, en parlant de la migraine avec aura, évoqué des difficultés visuelles ou autour des yeux. Et il y a des patients donc migraineux avec aura qui s'interrogent sur un lien, direct ou pas, des troubles de la vision du type de myopie et des migraines avec aura. Est-ce qu'il y en aurait un? Est-ce que, par exemple, certains se posent même la question de est-ce qu'une opération de la myopie pourrait permettre de gérer cette dimension-là de la migraine? À ma connaissance, il n'y a pas de lien avec la myopie et le développement de la migraine avec aura. J'ai eu, par contre, des patients qui ont eu des chirurgies et vu la fragilité du réseau de la sensation de la face, les chirurgies au niveau des yeux ont provoqué des migraines chez quelques patients que j'ai dans ma clinique. Mais je ne vois pas de lien biologique entre la myopie et le développement de la migraine, que ce soit avec ou sans aura. Alors, plusieurs questions de téléspectateurs maintenant et téléspectatrices, bien évidemment. Docteur, on commence peut-être avec cette question de Magali qui vous demande si on peut avoir les deux types de migraines, avec ou sans aura. Oui, bien sûr. Donc oui, on peut. Pour faire le diagnostic, en fait, de migraine simple, ça nous prend 5 épisodes, vu que c'est une maladie récurrente. Donc, si on a juste une crise de migraine, on soupçonne, mais on attend, on voit un peu aller. Et parfois, les gens peuvent plus tard ou au début avoir d'autres crises avec des auras. Donc, on peut avoir les deux diagnostics. Donc, il faut avoir au moins 2 épisodes d'aura pour qu'on fasse le diagnostic. Et 5 épisodes de migraine pour faire le diagnostic, et les deux peuvent coexister.
Alors, Maïmouna vous demande, est-ce que certains symptômes de l'aura peuvent devenir permanents sur le long terme, acouphènes, paresthésie? C'est une très bonne question. En fait, ça déborde de la définition de l'aura, hein, mais il y a aussi des formes d'aura persistant. C'est plutôt rare, mais j'ai quelques patients dans ma clinique qui ont ce phénomène-là. Par exemple, j'ai quelqu'un qui a des migraines hémiplégiques et quand je l'examine, il y a un test qu'on fait en neurologie où on fait étendre les bras et systématiquement, elle a toujours une petite baisse de ce bras où elle est atteinte. Cependant, quand je fais une imagerie cérébrale, il n'y a pas de séquelles à ça, on ne voit pas de cicatrices. La façon que j'explique ça, c'est par une hypersensibilité centrale. Donc, comme si une voix est toujours allumée et donc, cette région-là reste fragile, mais pas à un point de laisser une cicatrice au cerveau. Et donc, oui, on peut avoir des symptômes d'aura qui persistent ou qui sont prolongés, mais c'est plutôt rare. Autre question de Cathy, est-ce que les migraines avec aura chez l'enfant restent à l'âge adulte? Ça, c'est une très bonne question. En fait, on n'a pas parlé des auras chez l'enfant, mais les auras chez l'enfant ont des critères un petit peu différents. Ils peuvent avoir une présentation un peu différente également. Donc, parfois, les choses, ils peuvent avoir des auras classiques, mais ils peuvent aussi avoir des douleurs abdominales, des vertiges. Et parfois, ces genres de présentation chez l'enfant peuvent évoluer vers une aura plus classique pendant l'âge adulte. Donc ça, on peut le voir. Donc, chez quelqu'un qui… Moi, je suis un neurologue pour adultes. Donc, quand j'ai quelqu'un dans mon bureau qui souffre de aura, je leur pose la question, pendant que vous étiez enfant, aviez-vous des douleurs abdominales récurrentes? Avez-vous eu des problèmes de vertige? C'est souvent le tableau qu'on peut voir chez l'enfant. Question de Fabien, les auras sont des symptômes, ont des symptômes effrayants qui peuvent rester plusieurs jours après la crise. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Ben, en fait, je pense que si vos auras débordent de ce qui est normal pour vous, c'est-à-dire que les auras habituellement arrivent toujours ou presque toujours de la même façon. Si vous avez une aura qui est très différent de votre aura habituelle et ça dure très longtemps et la crise ne passe pas, je ne crois pas que ça serait mal vu de consulter. Je pense que vous serez justifié, vu que ce n'est pas du tout la même chose. En tout cas, ça serait la recommandation que je ferais ici au Québec. C'est sûr que les pratiques médicales peuvent être un peu différentes, mais ça, c'est ce que je suggérerais à mes patients. Allez, on va prendre une dernière question, docteur. Gérard nous demande comment réagir face à quelqu'un qui est en crise de migraine avec aura. Comment réagir? Et en fait, le plus important, c'est premièrement, si on ne sait pas que c'est une aura et on voit quelqu'un qui… Si c'est une aura typique, probablement l'auditoire ou la personne autour ne sera pas au courant parce que c'est la personne qui a des visions, une vision de quelque chose ou une sensation. Mais je pense juste de les mettre un petit peu au calme, au repos, essayer de les rassurer. Si c'est une nouvelle crise et ils n'ont jamais eu de diagnostic, probablement ils vont vouloir consulter. Donc peut-être les aider à consulter. Il y a des auras où les gens sont confus, sont faibles. À ce moment-là, ils vont avoir besoin d'un peu plus d'aide. Mais je pense qu'essentiellement de les accompagner, de les rassurer, surtout quand ils savent que c'est leur migraine avec aura, ils vont apprécier le soutien, je crois. Docteur, un dernier message à destination des migraineux avec aura. Oui, en fait, je vous ai préparé un petit… j'essaie d'avancer. En fait, mes derniers messages, c'est que j'aimerais juste que vous reteniez que la migraine avec aura, c'est des maladies neurologiques. Et on a des critères bien établis. Donc, si vous souffrez de maux de tête régulièrement, consultez, arrivez à consulter quelqu'un pour vous faire aider. Il y a énormément de recherches en cours pour mieux connaître la biologie de la migraine. Comme vous avez vu, il y a beaucoup d'études en génétique pour mieux comprendre cet aspect-là également. Énormément de travail qui se fait pour développer des nouveaux médicaments. Oui, il y a un risque cardio et cérébrovasculaire plus élevé, mais à mon avis, c'est juste important de le savoir et pas être inquiet de ça. Mais surtout, c'est un message de mener une vie un peu plus en santé. Et le dernier message positif, c'est… on a beaucoup plus de traitements pour la migraine maintenant. C'est surtout les points excitants de nos jours, non seulement pour la migraine, mais pour la migraine avec aura également, vu que les traitements se ressemblent.
Donc, sur ça, je vous remercie de m'avoir invité et un bon reste de votre sommet. Merci à vous, Dr Pim, d'avoir été en duplex avec nous depuis le Canada. C'était un vrai plaisir de vous entendre et de nous expliquer un peu mieux ce que c'est que la migraine avec aura. Et puis merci aussi à nos témoins. On va passer à notre séquence suivante, les dernières avancées de la recherche, les espoirs. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Shonan. À la fin de cette séquence, vous pourrez là aussi lui poser vos questions. Bonjour professeur. Bonjour Sébastien, bonjour tout le monde. Vous êtes neurologue, fondateur de l'unité de recherche sur les céphalées à l'hôpital de la Citadelle de Liège, professeur honoraire à l'université de Liège. Et nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver pour la deuxième année consécutive et surtout de vous accueillir sur ce plateau pour ce deuxième sommet. On va d'abord faire un point sur les dernières avancées de la recherche thérapeutique. Quelles sont-elles, professeur ? Alors, d'abord, c'est un grand plaisir pour moi de revenir une seconde fois. Les avancées, je les subdiviserai en trois parties. D'abord, il y a une série de molécules qui ont fait la preuve de leur efficacité, qui vont arriver sur le marché en Europe, incessamment sous peu. Dans le deuxième groupe, vous avez des molécules, par contre, qui sont à l'étude expérimentale chez l'animal, d'abord, pour lesquelles il n'y a pas encore de données convaincantes chez l'homme, mais qui sont des perspectives intéressantes. Et troisièmement, vous avez des techniques non médicamenteuses, dont on va parler, je pense, qui ne sont pas nouvelles nécessairement toutes, mais qui ont pour lesquelles il y a des données de plus en plus nombreuses. Oui, on va rentrer dans le détail. Alors d'abord, comment agissent ces nouveaux traitements ? Alors pour le montrer, je vous propose de reprendre le schéma qui est là, qui est la métaphore de l'entonnoir. En fait, schématiquement, la migraine se caractérise par une activation de ce qu'on appelle le système trigéminovasculaire dont on a parlé tout à l'heure, qui sont les terminaisons nerveuses qui sont dans les méninges, donc à l'extérieur du cerveau, et qui provoquent la douleur et les symptômes associés à la douleur. C'est là qu'agissent les traitements de crise, soit de façon temporaire, soit de façon prolongée, comme pour les anticorps monoclonaux contre le CGRP. Le problème, c'est que ces traitements-là ne modifient pas la maladie en soi, parce que les causes profondes de la migraine sont dans le cerveau, de l'autre côté de la barrière méningée. Et vous avez une série de responsables là, dont on a parlé aussi tout à l'heure. D'abord les gènes, bien sûr, qui prédisposent à la migraine, qui entraînent une hyper-réactivité cérébrale et un problème de métabolisme cérébral. Puis vous avez tous les influenceurs cérébraux, comme je les appelle, qui sont les hormones, l'environnement, le stress. Et c'est là que devraient agir les traitements qui veulent modifier le décours de la maladie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur certains médicaments qui ne sont pas encore arrivés en Europe, mais qui ont déjà reçu l'agrément de la FDA, l'équivalent américain de l'Agence européenne de médicaments ? Tout à fait. Là, nous avons, ce sont des médicaments qui agissent au niveau du système trigéminovasculaire. Et nous avons essentiellement deux types de molécules. Qui sont d'une part des molécules qui agissent sur un sous-type de récepteur de la sérotonine 5-HT1F, qu'on appelle les DITAN, et d'autre part des molécules qui antagonisent directement le récepteur du CGRP, sur lesquels agissent aussi les anticorps monoclonaux. Vous connaissez les triptans qui sont là au-dessus. Et on a beaucoup de données récentes pour ces deux molécules-là. Je vais vous en montrer un exemple. Ici à gauche, vous avez deux études, l'une avec le Vidura, qui est le rimegepan, et l'autre avec l'Ubrelvy, qui est l'Ubrogepan. Et vous voyez que, dans le traitement de la crise, vous voyez qu'après deux heures après la prise, il y a à peu près 20% de patients qui n'ont plus mal à la tête. D'un autre côté, à droite, vous avez le Lasmiditan, qui a un DITAN. Ici, l'étude a été faite dans les crises périmenstruelles, mais elle est aussi active dans les autres crises. Et là, c'est encore un peu meilleur, 35%. Et le nombre de patients qu'il faut traiter pour avoir un effet de disparition de la crise à 2 heures est de 4, ce qui est bien, mais pas nécessairement mieux. Quels avantages ont-ils alors tous ces traitements ? Si vous regardez les effets thérapeutiques
qui sont résumées sur cette diapositive. En bleu, vous avez le nombre de patients qu'il faut traiter pour avoir une disparition des céphalées à 2 heures, comparaison des triptans avec l'asmiditan, le rimégépan et le lubrogépan. Vous voyez que les chiffres ne sont pas supérieurs en efficacité. À droite, vous avez la même chose pour le soulagement de la douleur. Alors, ce qui caractérise ce que sont les avantages de ces produits-là, j'en vois essentiellement 4 qui sont indiqués sur la diapositive. D'une part, les ditans et surtout les gépans ont moins d'effets secondaires que les triptans. Certains patients ne supportent pas les triptans. Les gépans et les ditans n'ont pas d'effet vasculaire, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas vasoconstricteurs, contrairement aux triptans, ce qui veut dire qu'on peut les administrer chez des patients qui ont des problématiques cardiovasculaires ou cérébrovasculaires. Troisièmement, lorsqu'on les donne fréquemment, les gépans n'entraînent pas une aggravation, une chronicisation de la migraine, contrairement aux triptans, contrairement à tous les antidouleurs. Ce n'est pas le cas vraisemblablement pour les ditans. Et finalement, puisqu'on peut les administrer de façon répétée et prolongée, ils peuvent agir, à condition qu'on les donne de façon répétée, comme traitement préventif. Et c'est ce qui est montré dans la diapositive suivante pour l'atogépan, qui va s'appeler Culipta en Europe aussi. Vous voyez que le pourcentage de patients en traitement préventif, 60 mg par jour, qui a une réduction d'au moins 50% de la fréquence mensuelle des migraines, est considérable. 60% par rapport au placebo, c'est un gain de 31,8%, c'est-à-dire un nombre de patients à traiter pour voir cet effet de 3, ce qui est très bon, en fait, dans l'ensemble des traitements préventifs. Alors justement, vous avez encore quelques informations à nous donner sur ces traitements préventifs, des études sur le sujet ? Oui, l'autre information, c'est bien sûr que les effets secondaires ne sont pas supérieurs au placebo, en fait, dans cette étude-là. Les seuls symptômes qui peuvent être un peu plus prévalents, c'est la constipation et chez certains patients des nausées. Mais si vous comparez de nouveau, comme tout à l'heure, en bleu, le nombre de sujets à traiter pour avoir un effet d'au moins 50% pour l'atogépan et le rimégépan, vous voyez que l'atogépan, en tout cas, n'a pas à rougir vis-à-vis des autres traitements préventifs et même pas vis-à-vis des anticorps monoclonaux, avec évidemment aussi un profil efficacité sur effet secondaire qui est remarquable. Quelles sont les autres pistes prometteuses pour de nouveaux traitements médicamenteux? Vous avez parlé notamment tout à l'heure de molécules qui n'ont pas encore fait leur preuve en clinique. Lesquelles? Alors, il y en a toute une série. Je reviens du congrès du Migraine Trust le week-end passé à Londres. Tous ces produits que vous voyez là, les molécules, ont été discutés. Il s'agit de transmetteurs, de récepteurs, de canaux ioniques, notamment ici, qui sont présents dans le système trigéminovasculaire, en plus du CGRP. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les canaux ioniques, etc., et ni dans les récepteurs au glutamate. Je voudrais juste dire un mot du PACAP. Pourquoi le PACAP? Parce que le PACAP a fait beaucoup parler de lui ces dernières années. En fait, c'est un polypeptide qui a initialement été découvert dans l'hypophyse et qui se trouve dans le système trigéminovasculaire, qui active une enzyme qui est l'adénylate cyclase, qui augmente l'AMP cyclique dans la cellule, un second messager, et qui peut augmenter la libération de CGRP. Alors, il y a eu une première étude, on a entendu beaucoup de cette étude-là, avec un anticorps monoclonal bloquant un des récepteurs du CAPAC. Vous voyez qu'il y en a 4, en fait. Le premier, le PAC1, et malheureusement, cette étude, comme vous le voyez sur la droite, n'est pas positive. La réponse, les répondeurs dans le groupe placebo sont légèrement supérieurs même à l'anticorps monoclonal. Donc, ceci ne veut pas dire qu'il faut abandonner cette piste-là, parce qu'il y a d'autres récepteurs qu'on peut cibler. Et en plus, il y a maintenant des firmes qui développent des anticorps monoclonaux qui sont directement dirigés contre le PACAP, comme pour le CGRP, et qui le bloquent directement. Quelles sont les perspectives pour des traitements médicamenteux qui agissent dans le système nerveux central? Alors, encore une fois, je reprends mon modèle de l'entonnoir dans le système nerveux central. Eh bien, vous avez une série de traitements qui y agissent, en fait, qui sont marqués là. Je devais dire deux mots du système de la famille des opioïdes endogènes. Il y a la neurostimulation, les traitements métaboliques et comportementaux sur lesquels on va revenir.
ce qui a été beaucoup notamment traité au congrès dont je parle à Londres la semaine passée, c'est le système des opioïdes endogènes. Vous savez qu'on a des morphines endogènes dans notre système, dans notre cerveau et dans notre tronc cérébral qui nous permettent de ne pas avoir mal ou d'avoir moins mal et d'avoir un peu de plaisir en plus. Et il y a toute une famille dont des cannabinoïdes qui ressemblent au cannabis, mais aussi des opioïdes, de la morphine. Vous voyez qu'ils agissent sur des récepteurs qui sont des récepteurs au cannabis, mais aussi des récepteurs à la morphine. On connaît le métabolisme, vous voyez là en dessous qu'il y a plusieurs voies qu'on connaît de synthèse, mais aussi de dégradation. Et je voudrais juste vous montrer quelques exemples de ce qu'on sait pour le moment, parce que c'est toujours plus ou moins au début de la recherche clinique. D'abord, la première chose, c'est que cette molécule qu'on appelle le palmitoéthylénolamide, qui est difficile à prononcer, en abréviation PEA, module les récepteurs au cannabis. Il est sur le marché en France, ça s'appelle Calmux. Est-ce qu'il a fait la preuve de son efficacité? Non. Vous voyez qu'il y a une petite étude de 25 migraineux, on considère que 50 patients sont nécessaires pour avoir un effet probant, et c'est une étude ouverte, il n'y a pas de placebo, et dans la migraine, on sait que l'effet placebo peut atteindre 30 à 40%, et là, vous avez 40% de répondeurs. Je pense qu'il faut absolument une étude randomisée contre placebo pour cette substance. Maintenant, il y a d'autres pistes. Notamment, je voulais le rappeler, il n'y a aucune étude prouvant que le cannabis, quels que soient les produits de la famille du cannabis, les cannabinoïdes, est efficace comme traitement préventif de la migraine ou comme traitement de crise. Il y a des études en cours contre placebo qui sont répertoriées sur Internet, qui ne sont pas encore terminées, dont on attend les résultats. Troisièmement, il y a un mouvement de recherche pour essayer de modifier le catabolisme, c'est-à-dire la dégradation de ces opioïdes endogènes, de certains de ces opioïdes endogènes, donc d'augmenter leur quantité dans le système nerveux central, avec des inhibiteurs pour notamment les enzymes qui décratent les endocannabinoïdes. Mais il y a aussi une étude très intéressante du laboratoire de Radouane Dallel de Clermont-Ferrand, qui vient de paraître dans Brain, et qui montre que l'inhibition de l'enzyme qui dégrade les encéphalines, qui fait partie de la famille des opioïdes, dans un modèle de migraine chez le rat, a un effet positif. Et finalement, et ça c'était fort à l'avant-plan au congrès de Londres, c'est qu'il y a des développements en cours pour des agonistes des récepteurs delta aux opioïdes, et par contre des antagonistes des récepteurs kappa aux opioïdes. Les récepteurs kappa sont intéressants parce qu'ils agissent notamment sur la libération de prolactine, et c'est cette libération de prolactine qui pourrait jouer un rôle dans la préférence, dans le dimorphisme sexuel de la migraine qui atteint plus souvent les femmes. Qu'est-ce qu'on peut proposer aux patients en dehors des médicaments? Alors il y a toute une série de traitements non médicamenteux. Et le premier dont je voulais parler, je l'ai mentionné tout à l'heure, ce sont les traitements de neurostimulation. Il y a deux grands groupes, les neurostimulations non-invasives. Les implantations d'électrodes chez les migraineux, ce n'est pas vraiment le premier choix. Il faut que ce soit non-invasif, ça se fait à travers la peau en fait. Et dans ces stimulations non-invasives, vous avez les stimulations qui stimulent le système périphérique. Ils ont comme point commun en fait de mécanisme d'action qu'il augmente ce système endogène de contrôle de la douleur. Ça a été montré dans plusieurs études. Donc ils n'agissent pas directement, si vous voulez, sur le cerveau. Il y a au moins 6 stimulateurs qui sont accessibles. Le premier, on a fait les études à Liège avec celui-là, s'appelle Céphalie. Il stimule le front, il peut être utilisé pendant la crise, 26% de répondeurs, de disparition de crise, 38% de patients qui répondent au traitement préventif. Mais il y a aussi un stimulateur américain qui stimule à la fois le front et la région occipitale, avec des résultats que vous voyez qui sont même légèrement supérieurs. Vous avez même un stimulateur qu'on met au niveau du bras, aussi étonnant que ça puisse paraître, mais en stimulant le bras, vous avez 37% de crises qui sont guéries après 2 heures, et on n'a pas de données dans la prévention. Et finalement, vous avez le stimulateur du nerf vague. Il y a 2 types de stimulation du nerf vague. Le nerf vague passe dans le cou ici, donc on peut le stimuler dans le cou avec le gamma-core,
s'appelle l'appareil, mais on peut aussi stimuler dans l'oreille une branche du nerf vague qui est là, dans l'oreille, avec un autre stimulateur. Et encore une fois, là, on a des effets sur la crise et on a des effets de prévention. Et pour être complet, nous avons deux stimulateurs chinois, asiatiques en tout cas. L'un qui stimule la mastoïde, pour lequel il y a une seule étude chinoise qui est publiée, qui doit être vérifiée à mon avis, et une autre stimulation électrique d'un point d'électroacupuncture au niveau de la tempe, qui a aussi un effet préventif antimigraineux. Alors vous avez dit que les techniques de neurostimulation périphérique ont un effet indirect dans la migraine en agissant sur le contrôle endogène de la douleur. Est-ce qu'il existe des appareils qui peuvent stimuler directement, cette fois-ci, le cerveau qui est connu pour être hyperactif chez les migraineux? Tout à fait. Oui, c'est ce qu'on appelle la neurostimulation transcrânienne. Donc là, ce sont des stimulateurs, soit magnétiques à gauche, soit par courant direct ou courant alternatif à droite, qui s'appliquent à travers la peau du crâne et qui sont capables, suivant le protocole de stimulation qu'on utilise, soit d'inhiber le cortex cérébral sous-jacent, soit de l'exciter. Et on peut comme ça exciter, par exemple, le cortex moteur, qui est connu pour avoir un effet antalgique. On peut exciter aussi le cortex frontal, où on peut agir sur le cortex visuel, qui est plus impliqué directement dans la physiopathologie migraineuse. En un mot commençant, les résultats sont probants pour la stimulation avec le stimulateur de gauche qui applique juste une seule stimulation pendant la crise de migraine avec Aura, au moment de l'Aura. Et là, l'étude qui a été faite contre une stimulation factice montre que c'est efficace pour prévenir la crise de migraine. Les autres traitements que vous voyez listés ici dans cette revue qui a été faite par Xavier Moisset de Clermont-Ferrand montrent des résultats, mais comme vous voyez, c'est des efficacités qui sont probables. Donc on a besoin de plus d'études et de plus d'études contre des stimulations factices notamment. Ouais, il y a d'autres chercheurs effectivement qui ont développé d'autres traitements plus inattendus, stimulation magnétique de muscles. Oui, ben c'est comme la stimulation magnétique qu'on met sur le crâne, mais il y a des chercheurs allemands qui ont fait des stimulations magnétiques sur les muscles trapèzes ou deltoïdes, et montrant dans une étude que ça a un effet préventif antimigraineux. On peut mettre des stimulateurs au niveau de l'oreille qui active l'oreille interne, la stimulation calorique vestibulaire, qui a un effet dans cette étude qui a été publiée il y a quelques années, et plus récemment, et on a représenté encore une fois à Londres des résultats récents avec ce traitement-là. C'est une espèce de vibromasseur qu'on met dans le nez qui fait des oscillations, qui stimule la muqueuse nasale et qui permet d'avoir un effet antimigraineux. Et les diètes ? La méditation, la relaxation, la gestion du stress, quelles peuvent être leurs places pour prévenir ou traiter les migraines? Oui, mais vous faites bien de le mentionner parce qu'ils ont une place dans le traitement antimigraineux. Et je voudrais juste symboliser par ce schéma de la métaphore de l'automobile où ces traitements peuvent intervenir. On sait que chez les migraineux, il y a un cerveau hyperactif, hyperréactif, d'une part, et d'autre part, une diminution de la réserve énergétique dans les cellules cérébrales. Et donc, les traitements comportementaux ont tout à fait leur place parce qu'ils ont, de façon générale, tendance à calmer le cerveau, à réduire le stress, à entraîner de la relaxation, surtout cérébrale, mais aussi musculaire, mais surtout cérébrale. Et puis, il y a des traitements métaboliques qui peuvent agir sur la réserve énergétique. Alors, pour les traitements métaboliques, on connaît depuis plusieurs années les effets préventifs qui ont été montrés dans les études contre placebo de la vitamine B2 à forte dose et du coenzyme Q10. Plus récemment, des équipes, surtout italiennes, ont essayé des traitements par le régime cétogène. Le régime cétogène est utilisé dans l'épilepsie réfractaire aussi. C'est très difficile à suivre. En fait, ça se résume à manger la mayonnaise sans les frites. Et donc, c'est pas non plus très bon pour le cholestérol. Mais chez les patients qui ont tenu le coup pendant un mois ou deux mois, il y a une réduction de la fréquence des crises. Maintenant, comment est-ce qu'on peut le rendre plus facile à utiliser? C'est en utilisant des médicaments qui sont des cétones, qu'on appelle les corps cétoniques, ce que le régime cétogène provoque, d'où son nom. Il augmente les corps cétoniques dans le sang, et les corps cétoniques sont utilisés comme une source énergétique par le cerveau, à la place du glucose.
Et c'est cet étonnant, il y a plusieurs firmes qui essaient d'en développer. Il y a l'une ou l'autre étude qui ne sont pas tout à fait convaincantes. Il y a quelques répondeurs. Donc il semble y avoir des sous-groupes de migraineux qui réagissent à ces médicaments, qui par ailleurs sont aussi utilisés par les coureurs du 30 Tour de France. Mais ça, c'est plutôt pour augmenter leur performance musculaire. Et ça, c'est un autre sujet. Évoquons les traitements comportementaux. Alors, les traitements comportementaux ont été étudiés depuis longtemps. Il n'y a rien de vraiment nouveau dans ces traitements-là. Donc, on a surtout les traitements qu'on appelle cognitivo-comportementaux, qui comprennent la relaxation, la gestion du stress, le biofeedback, la méditation de pleine conscience, le yoga, plus quelques traitements physiques. Alors, pris seul comme traitement, mis à part chez les enfants, comme Mme Pim l'a signalé, où on commence souvent par ces traitements-là, mais chez l'adulte, pris seuls, ils sont relativement peu efficaces. Par contre, lorsqu'on les associe à un traitement médicamenteux, ils augmentent l'efficacité du traitement médicamenteux. Donc là, ils sont intéressants. Bien sûr, ils sont aussi intéressants chez les patients qui ne supportent pas les traitements médicamenteux, qui n'en veulent pas ou qui ont des effets secondaires avec ces traitements. Alors, pour vous illustrer mon propos, voilà, vous avez à gauche une revue global avec les traitements entre guillemets psychologiques qui a été fait il y a quelques années, qui reprend 21 études. Et vous voyez que sur 21 études, il n'y en a que 4 qui sont positives pour ce type de traitement-là, où il y a un effet de 54% de répondeurs comme traitement préventif. Par contre, il n'y avait pas d'effet globalement sur l'intensité des crises, ni d'effet sur la prise médicamenteuse de crise, ni l'effet en fait sur le handicap global. Ce qui est un peu intéressant quand même, c'est la diapositive de droite où vous voyez une étude allemande qui a comparé un traitement cognitivo-comportemental relativement complexe avec de la relaxation, mais aussi de la psychothérapie, la gestion du stress, donc un traitement qui nécessite l'intervention de plusieurs personnes, donc chronophage aussi, l'a comparé à un simple traitement de relaxation, comme vous voyez en pointillé. Mais en fait, le traitement de relaxation en pointillé est même un peu plus efficace que l'autre. Donc on peut vraisemblablement se limiter à un traitement de relaxation simple, et il y a d'ailleurs des applications sur Internet qui permettent de le faire chez soi. Est-ce qu'on pourra un jour adapter le traitement en fonction du profil génétique ou du profil clinique des patients, et quels en seraient les bénéfices, professeur ? Mais écoutez, c'est le saint graal de tout médecin, évidemment, c'est d'avoir un traitement personnalisé. Ouais. Dans la migraine, il y a des tentatives qui sont faites à partir des anomalies génétiques. On sait que la migraine est associée à au moins 123 sites génétiques sur les chromosomes. Et il y en a vraisemblablement plus. Donc des marqueurs. Et ces marqueurs sont liés à des gènes qui sont dans le voisinage, qu'on a identifiés. Et maintenant, on essaye de voir où ces gènes se trouvent dans le système nerveux central, dans le noyau du dans le ganglion du trijumeau, le noyau. Et on essaye de voir ce que ces gènes font exactement. Et vous voyez qu'il y a des gènes qui sont dans le cerveau, il y a des gènes qui sont dans le système nerveux périphérique, il y a des gènes qui sont dans le vaisseau. Et donc une fois qu'on sait ce qu'ils font, on peut développer plus facilement des biomarqueurs. Le problème dans la migraine, et on y a fait allusion tout à l'heure, c'est que ce n'est pas la plupart des migraines, à l'exception de la migraine hémiplégique familiale. La plupart des migraines sont polygéniques, donc vous avez un ensemble de gènes qui déterminent votre profil et votre seuil migraineux. Et donc, c'est plus compliqué dans les maladies polygéniques de personnaliser ce type de traitement que dans d'autres maladies. Et donc, en attendant, je pense qu'il faut personnaliser le traitement en centrant la gestion de la migraine sur l'individu, ce qui est résumé dans cette diapositive-là, en tenant compte différents facteurs, l'hygiène de vie, le type de migraine, les traitements antérieurs, le profil psychosocial, les préférences du patient, les comorbidités, le climat hormonal, etc. Vous restez avec nous, professeur, on va maintenant répondre à vos questions. Et avant de prendre les questions des téléspectatrices et des téléspectateurs, eh bien, une question de Céline qui nous a rejoint. Bonjour professeur, merci beaucoup pour cette présentation. Bonjour. Vous avez évoqué beaucoup d'options et notamment des options peut-être mixtes avec des traitements médicamenteux, non médicamenteux. Et voilà, une question que j'aimerais vous poser, c'est finalement, en tant que patient, comment aider le médecin
à savoir quelle va être l'approche thérapeutique qui aura le plus de succès chez chaque patient, en fait, puisqu'on sait que chaque patient va être différent, chaque migraine peut être différente. Quelles informations doit-on lui donner pour l'aider le plus possible ? En donnant le plus d'informations sur votre migraine, et notamment les antécédents, le type de crise, le type de traitement que vous avez déjà eu, les facteurs déclencheurs, d'une part, et d'autre part, sur votre personnalité à vous et sur vos antécédents, les comorbidités, est-ce que vous avez d'autres maladies, est-ce que vous avez eu des événements stressants dans la vie, dans le passé ou dans le présent, et quelle est votre position aussi personnelle par rapport aux traitements médicamenteux, vis-à-vis des traitements non médicamenteux, par exemple. Donc, je pense que tout ça, c'est l'anamnèse du médecin qui nécessite bien sûr votre collaboration étroite, puisque c'est vous qui allez lui donner les informations. Ce n'est pas en vous examinant qu'il va pouvoir déterminer le traitement qui vous convient le mieux, mais c'est en vous interrogeant, en voyant ce que vous avez déjà essayé, et en vous examinant quand même, de certaines choses, par exemple pour la pression artérielle, si vous avez une pression artérielle basse, on ne va pas vous prescrire un bêta-bloquant. Si vous êtes déprimé, si vous avez une dépression, on ne va pas vous prescrire de la flunarizine qui a tendance à vous déprimer. Si vous êtes en sous-poids, on ne va pas vous prescrire du topiramate. Donc voilà, tout ça fait partie de cet ensemble-là que j'ai essayé de résumer sur cette diapositive-là et qui vous permet, et parfois il faut tâtonner, hein, vous le connaissez d'expérience, hein, ce n'est pas du premier coup nécessairement qu'on va trouver un traitement efficace. Et d'autant plus qu'on a tendance quand même à hiérarchiser les traitements, en commençant par les traitements qui ont le rapport efficacité sur effet secondaire le meilleur, pour arriver éventuellement à des traitements qui sont peut-être plus efficaces, mais qui ont aussi plus d'effets secondaires. Et on rappelle le chiffre donné tout à l'heure par Sabine, hein, dans la vie d'un migraineux, 5 traitements de fond et 5 traitements de crise. Une question de Fatima, les appareils de neurostimulation sont-ils sur prescription ? Peut-on les utiliser chez soi ou uniquement en centre spécialisé ? Alors il y a des appareils qui sont sur le marché, le céphalier est sur le marché, vous pouvez l'acheter sur Internet. Les autres traitements, je pense que le Relivion, vous pouvez aussi l'acheter sur Internet. Il y en a certains qui sont plus difficiles d'accès, mais même le GammaCore, vous pouvez l'acheter. Le problème, c'est que je ne connais aucun pays, sauf les assurances privées aux États-Unis, où ces appareils sont remboursés. Donc vous les payez vous-même. Et ça coûte très cher ? Ça coûte aux environs 300 euros. Et même plus parfois pour certains. Donc c'est quand même une dépense qu'il faut faire. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'effet secondaire avec ces traitements-là par rapport aux médicaments. Et un des avantages, il y a des firmes, par exemple, je pense à la firme Céphalie, où vous pouvez renvoyer l'appareil après 60 jours si vous n'êtes pas satisfaite et ils vous remboursent. Ouais. Il y a une possibilité de remboursement. Est-ce vrai que les traitements naturels ne présentent aucun effet secondaire, en particulier les plantes ? C'est Tommy qui vous pose la question. Oh, ce n'est pas vrai. Nous connaissons tous les plantes chinoises qui ont provoqué des lésions rénales il y a quelques années absolument importantes. Et notamment il faut se méfier des plantes. Il faut se méfier. Par exemple, la pétacite, la grande camomille qui a été préconisée, étudiée dans la migraine, peut être hépatotoxique, donc il faut se méfier très fort de ce type. Il y a des traitements, entre guillemets, naturels qui n'ont absolument aucun effet secondaire, hein. Ça, nous sommes d'accord. La vitamine B2, même à forte dose, à 400 mg par jour, n'a aucun effet secondaire à long terme, au contraire. Le coenzyme Q10 non plus. Mais dans les herbes, en tout cas, médicinales, là, il faut quand même faire attention. Alors, dans le prolongement justement de la question précédente, Anna nous demande, y a-t-il des innovations ou des recherches en matière de traitement naturel ? Oui, et ça vient surtout d'Asie. Il y a quelques études que j'ai vues passer, en tout cas, avec des produits qui sont des produits locaux, que je ne connais pas bien moi-même, je dois dire. Mais bon, ça n'est pas encore arrivé, en tout cas en Europe. Et pour le moment, par exemple au congrès de Londres, la semaine passée, je n'ai vu aucune présentation d'un nouveau produit, entre guillemets, naturel. Est-ce que les triptans représentent un risque avéré après 60 ans ?
ou est-ce seulement que les études sur cette population ne sont pas assez menées? Les DITAN et les GEPAN sont-ils dans ce cas une solution pour cette population et quand seront-ils disponibles? C'est Yves qui vous pose la question. Alors, sur le plan théorique, les triptans sont vasoconstricteurs, on l'a dit, mais sont vasoconstricteurs de 10 à 15%, notamment des artères coronaires. Mais c'est surtout le cas pour les triptans en injection, donc l'immigrant ou le sumatriptan en injection. Et donc, on a depuis le début mis en garde contre l'utilisation des triptans chez les patients qui ont une pathologie cardiovasculaire ou vasculaire de façon générale. En fait, les dernières études épidémiologiques qui viennent de paraître, il y en a une qui est parue la semaine passée, l'autre est apparue il y a quelques mois, où les triptans étaient utilisés par des patients qui ont des pathologies cardiovasculaires, il n'y a en fait aucune augmentation d'incidence d'accidents vasculaires. Et je pense que, en fait, en tout cas pour les triptans oraux, cette précaution a été un petit peu gonflée, un petit peu exagérée, et il semble que ce ne soit pas tout à fait vrai. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas le recul pour les GEPAN, quoique aux États-Unis, il y a quand même maintenant plusieurs années qu'ils sont à l'étude, dans les essais cliniques, mais on sait surtout que par l'expérimentation animale, et même par l'expérimentation chez l'homme, qu'ils ne sont pas vasoconstricteurs. Donc, on ne voit pas très bien comment ils pourraient avoir un effet vasculaire, en tout cas. Maintenant, est-ce qu'ils pourraient avoir d'autres effets secondaires à long terme? C'est peu probable quand on voit où ils agissent, puisqu'ils agissent finalement là où les anticorps monoclonaux agissent, où les triptans agissent, c'est-à-dire au niveau du système trigéminovasculaire, en empêchant ou en la libération de CGRP ou en bloquant le récepteur au CGRP. Question de Pierre, comment aider les patients qui n'arrivent pas à avoir accès à un suivi médical adéquat et bienveillant? En les envoyant chez un autre médecin. Chez un autre médecin, c'est ça. Bienveillant. La question, la réponse va de soi. Mais en fait, effectivement, il faut peut-être changer de médecin La France, surtout, est un pays qui est quand même pas. Est un grand pays qui n'est pas couvert de façon très proche par toutes les spécialités médicales. C'est un peu plus facile en Belgique, dans une population plus dense. Mais même en Belgique, il n'y a pas. Les centres qui sont vraiment spécialisés dans les migraines se comptent sur les doigts d'une main. Lorena nous demande, envisage-t-on de développer des traitements spécifiques pour la migraine avec Aura? Ce type de crise est-il pris en compte dans les essais cliniques? Oui, il est pris en compte dans les essais cliniques parce que dans tous les essais cliniques, généralement, on inclut des patients qui ont aussi une migraine avec Aura. Ça a été fait notamment pour les anticorps monoclonaux, et entre guillemets, dans les essais avec les anticorps monoclonaux anti-CGRP, apparemment l'aura n'est pas influencée, l'aura persiste. Et j'ai personnellement des patients qui n'ont plus mal à la tête, mais qui ont toujours des auras. Ce qui est tout à fait logique, puisque l'aura, comme on l'a dit, comme Mme Pim l'a montré, naît dans le cerveau, et les anticorps monoclonaux ne pénètrent pas dans le cerveau. Ça, c'est une chose. Maintenant, il n'y a pas de données récentes ou de traitements spécifiques pour les auras. Je pense que celui qui a été cité tout à l'heure, qui est un des plus efficaces, c'est la lamotrigine. Un autre qui est efficace, qui n'a pas été cité, c'est l'association de vitamine B2, éventuellement B12 aussi, avec la vitamine B9. Il y a deux études australiennes qui montrent que c'est efficace dans la prévention de la migraine avec aura. Et il y a eu un produit il y a plusieurs années qui avait été développé qui s'appelle le Tonabersat, mais qui n'a jamais été repris et qui n'a jamais été commercialisé jusqu'ici. Donc, en un mot commençant, il n'y a pas vraiment de nouveauté spécifiquement pour l'aura à ma connaissance. Allez, on va prendre deux dernières questions. Isabella nous demande, y a-t-il des traitements spécifiques pour la migraine cataméniale? Alors la migraine cataméniale est déclenchée par la chute des œstrogènes dans le sang avant les règles ou à l'arrêt de la pilule. Donc il y a trois traitements efficaces. La grossesse, attendre la ménopause ou prendre une pilule en continu pour supprimer les variations hormonales. Et de préférence quand même une pilule, surtout dans la migraine avec aura, mais même je dirais dans la migraine sans aura, de préférence
une pilule monoprogestative qui ne contient pas d'œstrogène, parce qu'il y a quand même un petit risque augmenté de pathologie vasculaire, surtout dans la migraine avec aura. Donc, ou une pilule faiblement dosée, à doser à 20 microgrammes d'éthylénoestradiol, parce que ça fait disparaître les variations hormonales, et c'est un traitement qui fait en principe disparaître les crises périmenstruelles. Une dernière question, celle de Fanny. Est-ce dangereux pour l'organisme d'absorber différents traitements tout au long de sa vie de migraineux ? Ça dépend des traitements. Il y a des traitements qui sont tout à fait anodins, qui n'ont absolument aucun effet à long terme. Je pense à la vitamine B2, B9, je pense aux bêta-bloquants. Même les bêta-bloquants à long terme n'ont pas vraiment... ils ont des effets immédiats, éventuellement secondaires. À long terme, il y a bien sûr le problème qui s'est posé avec des dérivés de l'ergot qui peuvent favoriser des fibroses pulmonaires, mais qui sont maintenant interdits pratiquement. Donc à long terme, les problèmes avec les traitements... Je m'excuse, à long terme, il y a bien sûr le problème de l'insuffisance rénale pour les antalgiques. Et les anti-inflammatoires, ça, oui, à long terme, oui, là, il faut y penser. C'est pour ça qu'il faut quand même être prudent dans la consommation d'anti-inflammatoires et d'antidouleurs. Entre parenthèses, ce n'est pas le cas avec les triptans. Les triptans n'ont pas d'effet sur les reins, ni les GEPAN d'ailleurs. Donc, voilà, il y a certains produits à long terme qui peuvent influencer et provoquer des problèmes, mais il n'y en a pas beaucoup, en fait. Céline, toute dernière question ? Oui, j'ai une dernière question pour vous. Alors c'est vraiment hyper soulageant pour un patient migraineux de voir qu'il y a beaucoup d'options thérapeutiques à venir, beaucoup de recherches, et ça c'est quelque chose qu'on ne peut que souhaiter et encourager. En termes de timing, est-ce que vous pensez que voilà, les différentes options de traitement que vous avez présentées de crise ou de fond vont faire que nos enfants qui sont migraineux seront moins impactés au courant de leur vie, ou est-ce que vous pensez que c'est la génération encore d'après qui, pour le coup, aura une vie moins difficile à cause de la migraine ? C'est une bonne question. Les GEPAN sont, et les DITAN sont, ils viennent, ils vont arriver. Est-ce que c'est un progrès ? On en a parlé. Je pense que c'est un progrès pour certains patients. C'est un progrès parce qu'on peut les utiliser comme traitement préventif. Les autres traitements dont j'ai parlé dans le deuxième groupe qui sont à l'étude expérimentale, il faut savoir qu'il a fallu 25 ans pour passer de la détection du CGRP dans le système trigémino-vasculaire à l'utilisation des anticorps monoclonaux contre le CGRP. Donc, il faut parfois être patient. entre nous, les GEPAN, ils ont été découverts avant les anticorps monoclonaux. Le problème avec les premiers GEPAN, c'est qu'ils étaient hépatotoxiques. Donc, ils ont été abandonnés. Il a fallu attendre que les pharmacologues développent des produits non hépatotoxiques. Donc voilà, je pense qu'il y a des perspectives. Maintenant, quel est le délai avant que ça n'arrive en clinique du migraineux lambda, on va dire, c'est imprévisible, mais ça risque de durer plusieurs années. Ben, merci beaucoup. C'est déjà ça qu'il y a des solutions qui arrivent. Donc il faut prendre le côté positif des choses. Un dernier mot, un dernier message, professeur ? Mon message, c'est celui que je donne généralement aux migraineux, c'est résister, ne vous résignez pas surtout. Vous venez d'y faire allusion, ne vous résignez pas ni sur votre maladie, parce qu'il y a des perspectives thérapeutiques, il y a des progrès énormes dans la recherche sur les causes, les mécanismes. Plus on progresse dans la connaissance des causes, plus on va progresser dans la recherche thérapeutique, forcément, d'une part, et aussi ne vous résignez pas dans votre lutte de faire reconnaître cette maladie comme une maladie invalidante et de vous faire rembourser les traitements efficaces comme dans d'autres maladies qui sont considérées plus nobles que la migraine alors qu'elles ne le sont pas nécessairement. Et on va reparler dans un instant d'ailleurs avec la présidente de la Voix des migraineux. Merci professeur de nous avoir fait l'honneur de votre présence aujourd'hui. Je sais que tous les migraineux présents et qui nous regardent, ils sont très sensibles. Merci à vous. Merci à vous. Et puis merci Céline d'avoir été avec nous. Avant d'accueillir la présidente de la Voix des migraineux, Sabine de Brémecker, pour la conclusion de ce sommet, on va écouter deux témoignages, ceux de Myrène et Benoît. Ils nous expliquent comment, au-delà des traitements, ils ont appris à vivre avec la migraine.
reconnaître que c'est une maladie, bah, c'était hyper fort. Je me suis sentie capable de le faire parce que je suis en lien avec une communauté de patients. Je ne suis pas toute seule à vivre ce que je vis, donc je n'invente rien en quelque sorte. J'ai un diagnostic qui a été posé par un neurologue. Et bien malgré tout, ça ne me suffisait pas pour me sentir légitime même envers les autres et même envers moi. C'est pas une maladie grave dans le sens où elle n'est pas mortelle, mais pour autant, elle m'invalide tout le temps en fait. Je vais prendre soin de moi, on me le dit autour de moi, en accord avec mon neurologue. J'ai fait un sevrage médicamenteux seul chez moi et j'ai réussi à gérer un sevrage comme ça toute seule. Déjà, j'ai eu l'impression de réussir quelque chose et finalement, je me suis dit bah, je vais continuer en fait dans cette voie-là. Peut-être qu'il faudrait une bonne fois pour toutes que je sois attentive à tout ce qui m'anime quand j'ai une migraine, de mes signaux avant-coureurs, et puis je vais essayer de gérer les choses avec progressivement de moins en moins de médicaments. Il faut avoir quand même du temps devant soi, et c'est là où mon arrêt maladie a vraiment été précieux, parce que sans ça, jamais j'aurais pu faire ce que j'ai fait là. Ce chemin, j'appellerais un chemin de résilience, il est long, et je continue finalement les ajustements, parce qu'il y a des choses que j'ai essayées qui n'ont pas fonctionné, donc j'en essaye de nouvelles. C'est vrai que quand on souffre, on aimerait avoir des solutions immédiates. L'arrêt maladie peut être douloureux à envisager, mais il est essentiel en fait. Mais il faut avoir confiance dans le fait que, en se donnant le temps, il y aura des résultats. À l'époque, je ne savais pas encore que les migraines n'ont pas du tout impacté ni mon entraînement ni la course. Quand les migraines ont impacté les entraînements, l'effort soutenu amplifie la migraine. C'est plus difficile de se tenir aux entraînements. Ça, c'est le côté négatif de la migraine. Oui, il faut le dire, il y a des côtés positifs parfois. Un marathon, on dit que c'est une trentaine de kilomètres d'échauffement, puis finalement les 12 derniers dans la tête, c'est vraiment de course. La migraine, elle m'a permis de travailler le mental justement. J'ai un peu plus, je suis épuisé, j'ai envie de lâcher tout. Finalement, la migraine, c'est un petit peu ça aussi. J'ai mal à la tête, j'ai des nausées, je ne sais plus rien faire, je suis un vrai zombie, mais je dois continuer à vivre pour soi, pour les proches, pour tout ça. La connaissance de la maladie. Donc, l'avant des migraineux m'a permis de comprendre vraiment ce qu'était la migraine, comment ça se déclenchait, comment la gérer. Je ne vais pas dire m'en débarrasser parce que malheureusement, on ne s'en débarrasse pas. Comment calmer les crises. Et m'a permis d'expliquer aussi à mes proches, ce qui indirectement m'aide aussi. C'est vraiment de pouvoir s'appuyer sur son entourage proche. On ne peut s'appuyer sur les gens que si on leur donne de l'information aussi. Briser le silence, parler, expliquer. Si tu repères tel et tel signal, tu sais que je ne vais pas bien. Beaucoup de patients sont isolés. Et en effet, ça n'aide pas à avancer et à se sentir légitime. Mes proches sont très compréhensifs, ma compagne. J'ai une chance pas possible qu'elle ait accepté les choses, qu'elle ait pris sur elle énormément. Ça, j'ai énormément de chance d'être très, très bien soutenue. Il ne faut pas hésiter à en parler, à se faire aider. Même en parler à un proche qui ne saura rien faire. Je trouve ça super important d'être soutenu, de se sentir soutenu. Depuis, en réalité, que j'ai réussi, moi, à mettre des mots très clairs sur ma maladie et ses symptômes, j'ai éduqué finalement mon entourage, parce que je me suis enfin éduquée moi-même. Ça a généré un élan extraordinaire de soutien. Je savais que tu souffrais, mais jamais je n'avais imaginé à quel point. Aujourd'hui, je ne ressens plus aucun jugement de mes proches. Tout le monde est bienveillant, il s'adapte de manière absolument incroyable. Ça peut révéler dans notre entourage le nombre de personnes bienveillantes qu'on a autour de nous. Moi, celles qui ne le sont pas, elles disparaissent progressivement de ma vie et j'ai aucun problème avec ça. Le neurologue que j'ai rencontré, il avait une vraie conscience de ce que je vivais, de ma souffrance. Et mon médecin traitant m'a aidé en me soutenant dans mes démarches administratives pour la reconnaissance de ma pathologie. On veut tous aller dans le sens de mon bien-être à moi, la patiente. En ayant essayé des techniques non médicamenteuses, j'ai réalisé que certaines, pour moi en tout cas, commençaient à avoir un impact positif. Comment j'y suis arrivé? Changement de neurologue. J'ai été chez une neurologue qui, elle, m'a directement prescrit le fameux traitement actuel, l'anti-CGRP. Et là, aujourd'hui. Je passais de 15-20 migraines par mois, des douleurs qui allaient de 4-5 pour la plupart, qui montaient à 7-8, voire parfois des 9. Et je suis arrivé à 3-4 migraines par mois avec des douleurs 2-3. C'est une renaissance pour moi, c'est beaucoup, beaucoup plus facile à vivre. Effectivement, c'est formidable. J'ai eu besoin de créer un outil où j'ai en fait essayé de scanner tout mon corps, de la tête aux pieds, pour mesurer l'impact de la maladie sur moi, en cas de crise, mais même hors des crises, et pouvoir, pour chaque symptôme, pour chaque partie du corps, qui je pouvais mobiliser comme professionnel, comme technique non médicamenteuse, et puis après aller chercher de l'information. La migraine, elle est là, elle ne se guérit pas. Par contre, j'ai le droit quand même de m'offrir du bien-être, ou au moins moins de mal-être. Quand avant je vivais mes migraines et que je ne faisais que prendre un triptan, quand même je souffrais énormément. Et maintenant je prends parfois un triptan, parfois pas. Mais en tout cas, je mets plein d'autres choses en œuvre. Et ça me permet de vivre les migraines de manière moins spectaculaire. Là, j'ai vraiment l'impression d'apporter des
petits soulagements qui, bout à bout, franchement, me font un bien fou. Vous n'êtes pas seul, on est très nombreux en Belgique, en France et ailleurs dans le monde entier. Maintenant, on a des groupes Facebook, il y a La Voix des Migraineux, mais il y en a beaucoup d'autres, qui rassemblent beaucoup de gens qui sont migraineux, qui ont les mêmes problèmes. Dites ce que vous ressentez, parlez de vos problèmes, les gens ont des conseils, pourront vous aider, vous soutenir moralement, c'est vraiment, vraiment important. Parfois, les gens ne sont pas bienveillants comme on le souhaiterait, c'est aussi par méconnaissance, c'est à nous de libérer la parole. Mon traitement, c'est utile aussi. Il y a une sacrée évolution au niveau médical, donc faites-vous aider médicalement aussi. Rien ne vaut un neurologue spécialisé dans la céphalée et qui pourront vraiment, vraiment vous aider et vous soulager. Surtout, ça ne sert à rien d'avoir mal, ça ne sert à rien de se laisser souffrir, tant moralement que physiquement. C'est un vrai travail et il est difficile. Je pense que plus tôt on accepte cette maladie, mieux on va se soulager certains maux, certains symptômes, et mieux en parler aux autres. Donc, mieux être entouré. Mais les migraineux, ben, on participe de fait, vu l'invisibilité de cette maladie, on l'entretient, parce qu'en réalité, tant qu'on la reconnaît pas nous-mêmes, personne va la reconnaître. Le changement de regard des gens envers moi, il a démarré par le changement de regard que j'ai porté sur moi-même. N'hésitez donc pas à parler de la maladie autour de vous, c'est essentiel. Gardez espoir, il y a toujours plein de choses qui bougent, qui avancent. Réunissez-vous dans des communautés de patients. C'est vrai que c'est difficile quand on souffre. Osez changer de médecin quand on ne se sent pas entendu par son médecin. D'oser apporter de l'information à votre médecin. La résilience, c'est un chemin. Moi, j'en suis là aujourd'hui, mais c'est pas arrêté. Je gravis de petites marches, les unes après les autres. Je suis en train de me faire du bien. Je ne suis plus invisible et j'ai vraiment le sentiment qu'on m'entend enfin. C'est bien d'être soutenu, c'est bien de soutenir, donc. Soutenez aussi ceux qui vous soutiennent, soutenez La Voix des Migraineux, soutenez les associations. Merci à Myrène et Benoît pour ces témoignages. C'est le moment de conclure avec Sabine. Sabine, le professeur Shonan évoquait à l'instant les perspectives de traitement. Certains sont remboursés en Europe, mais on le disait, toujours pas en France. C'est l'un de vos grands combats depuis plusieurs années et il se poursuit. Le 23 septembre 2022, nous aurons 4 ans. À ce moment-là, puisqu'on n'arrive pas à obtenir ce remboursement, nous lançons la campagne « Est-ce qu'on ne marche pas un peu sur la tête ?» puisque les remboursements ne sont pas remboursés en France alors qu'ils le sont dans 24 pays d'Europe. Quand est-ce que la souffrance des migraineux français sera-t-elle entendue? Et on verra donc cette affiche un peu partout en France et même dans tout le monde francophone. Sabine, on arrive au terme de ce deuxième sommet. Un dernier message à faire passer à tous ceux qui nous ont regardés cet après-midi ou qui vont nous voir en replay dans les prochains jours. Alors, depuis 4 ans, nous nous battons sans relâche pour la reconnaissance de la migraine et une meilleure prise en charge. Dans le public, la reconnaissance avance, mais ça ne suffit pas. Il faudrait vraiment que les autorités se mobilisent pour améliorer la prise en charge et les traitements de la migraine. Mais chacun peut faire quelque chose pour améliorer la vie des migraineux. La plupart des migraineux sont photophobe, phonophobe, ça veut dire qu'ils ne supportent pas le bruit ou la lumière. Chacun peut, en diminuant la lumière, en baissant la musique, améliorer la vie des migraineux. Et en plus, ça fait des économies, c'est écologique. Donc, tous en se mobilisant, on va y arriver. On va réussir à faire reconnaître la migraine comme une vraie maladie neurologique qui mérite qu'on s'y intéresse et qu'on lui offre des traitements. Merci Sabine pour ces messages, merci pour ce combat, merci à votre association, à tous les bénévoles, merci aussi aux partenaires, merci à vous tous de nous avoir suivis pour ce deuxième sommet. Le replay sera bientôt en ligne, vous en serez informés par mail. Continuez à suivre La Vie des Migraineux sur son site et sur les réseaux sociaux et à vous mobiliser pour faire avancer la reconnaissance de la maladie et la prise en charge des médicaments. Excellent week-end à tous. Au revoir.